M'entendez-vous ? Oui, très bien. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de... Enfin, c'est pas moi qui vous accueille, hein, vous aurez remarqué, c'est le stadium du TFC. Et notamment, voilà, moi je suis Célia Rosintrom et je représente l'Association des éditeurs d'éducation, donc qui fédère l'action collective de 28 éditeurs scolaires français. Et il nous a semblé qu'en cette année de lecture Grande Cause Nationale, il était important que nous, en tant qu'éditeurs scolaires, on contribue un peu à cette grande question en organisant ce colloque. Donc vous verrez, je laisserai Valérie ensuite présenter le programme. Nous sommes très honorés d'avoir la présence du maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin, qui a tenu à venir introduire ce colloque. Donc je vous remercie beaucoup, monsieur, pour votre présence. Je vais vous passer la parole dans quelques minutes. Et juste vous indiquer également, donc, lors de ce colloque qui va être retransmis en direct, puis évidemment en replay, nous allons aborder la lecture sous toutes ses coutures, et puis surtout s'intéresser donc évidemment à l'apprentissage de la lecture qui est pour un éditeur scolaire, évidemment, comme producteur et éditeur de manuels scolaires, notre cœur de métier. Mais un éditeur scolaire, ça publie aussi des albums jeunesse, ça publie des romans, ça publie des premières lectures, ça publie plein de livres. Et donc, évidemment, la lecture est au centre de notre activité. Et donc, on va s'interroger sur comment on apprend à lire. Voilà, ça, c'est la grande question. Et surtout, il y a un deuxième pan, je pense, qu'on abordera dans les différentes interventions, qui est comment donner le goût de lire. Parce qu'en fait, on se rend compte que le goût de lire diminue d'année en année et on peut faire des choses. Et puis, juste un chiffre, si je dois le mentionner, pour illustrer à quel point la lecture est importante pour les enfants et la réussite, c'est qu'un enfant qui ne maîtrise pas la lecture après 7 ans, on considère qu'il a 4 fois de plus de risques de décrocher à l'âge de 15 ans. Donc on voit bien à quel point la lecture, et c'est bien votre présence qui le montre aussi, est vraiment un facteur clé de réussite et qu'on est tous associés à cet enjeu. Le système éducatif, bien sûr, les éditeurs, les familles, les parents, mais aussi les politiques, parce que c'est évidemment la formation des citoyens de demain. Voilà. Et je vais remercier énormément Samuel Sette du groupe Adonis, avec Laetitia, Sandra de Cédrap, qui nous ont vraiment beaucoup aidés pour cette journée. C'est formidable. Merci beaucoup. On est ravis d'être ici. Je remercie toute l'équipe du Syndicat national de l'édition aussi, qui nous ont aidés, Véronique Stéphan, Camille. Et puis un grand merci aussi à Valérie, la directrice de l'association, qui se cache, mais qui a tout fait. En fait, moi, je ne fais rien à part parler. Et je ne vais pas remercier mes intervenants, mais vraiment, je vais laisser Valérie les présenter correctement. Mais vraiment, merci à tous d'être soit à distance, soit dans la salle, et d'être présente et d'avoir une table ronde que vous verrez tout à l'heure animée par Louise Touret, que je ne présente plus. Et nos intervenants qui sont ici, Hélène Kerlis, Jérôme Rioux et Valérie Pertuet. Et nos deux intervenants à distance, mais j'arrête là, Valérie va les présenter mieux que moi. Monsieur Moudin, je vous laisse la parole. Bien, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, quelques mots d'abord pour vous remercier de m'avoir invité, et avec mon collègue adjoint chargé de la lecture publique des bibliothèques et médiathèques, Samir Agige. Nous sommes là parce qu'effectivement, c'est un sujet qui nous interpelle, et nous en mesurons tout l'enjeu éducatif, bien sûr, mais au-delà de la stricte approche éducative pour l'épanouissement des personnes, des personnalités. Et on sait qu'il y a des années où tout se joue, et c'est sur ces années-là, les jeunes années de nos enfants, qu'il nous faut agir. Permettez-moi de saluer Samuel Tsess, parce que c'est lui le premier qui m'a parlé de ce colloque. À l'époque, il exerçait la fonction de président de la CPME, à la fois pour la Haute-Garonne et pour la région. Il a décidé de passer la main après 20 ans de syndicalisme et de dons pour les autres. Donc je veux le saluer. Et, il est investi professionnellement, vous le savez, à travers trois entreprises qu'il dirige justement dans ce domaine clé que constitue la lecture, et la lecture avec une visée éducative comme éditeur. Voilà. Je suis là et j'ai demandé qu'on me sorte quelques chiffres sur l'action municipale en la matière, non pas pour que je fasse la publicité de la mairie de Toulouse, ça ne représente aucun enjeu du point de vue d'un colloque d'intérêt national. Simplement, c'est pour donner une illustration de ce qu'une collectivité peut faire, parce que sur ce combat, je suis sûr qu'il faut qu'on soit tous ensemble. L'État d'abord, bien évidemment,
Il est heureux que le président de la République, le gouvernement ait décrété la lecture comme grande cause nationale face aux périls et aux analyses qui remontent du terrain. L'éducation nationale a un rôle fondamental qui n'est pas à démontrer. Bien évidemment, les professionnels, les éditeurs, les professionnels privés qui ont une longue expertise extrêmement professionnelle dans ce domaine-là et qui, à mon avis, est totalement complémentaire de la stricte approche que peut avoir l'éducation nationale. Et puis, notre rôle à nous, les collectivités, parce que même si le rôle de l'État est incontournable et central, pour autant, nous aussi, nous avons la possibilité sur le terrain de faire beaucoup de choses pour la lecture publique, et beaucoup de choses en ciblant les jeunes en particulier. On a la chance ici, à Toulouse, d'être dans une ville jeune qui connaît un dynamisme démographique tel que la part de la jeunesse dans la population est plus forte ici que dans la plupart des autres grandes villes françaises. Et donc on a développé depuis longtemps une politique de lecture publique avec un souci qui est celui de l'aller vers. Il y a de grands équipements traditionnels. On a tous une bibliothèque municipale qui est remarquable, qui est très patrimoniale. Elle a presque un siècle à Toulouse. On a une médiathèque également, construite il y a une vingtaine d'années maintenant. Donc ce sont deux outils importants. On pourrait appeler ça les vaisseaux amiraux. Mais l'originalité de Toulouse, c'est qu'au-delà de ces deux outils que l'on peut retrouver ici et là dans d'autres grandes villes, on a voulu développer un réseau de bibliothèques de quartier. Et à l'heure où je vous parle, il y a une vingtaine de bibliothèques de quartier qui sont implantées ici et là dans Toulouse. Et à ces 20 bibliothèques de quartier, nous avons ajouté une autre formule, le bibliobus, qui s'arrête à date fixe dans 24 autres endroits de Toulouse où il n'y a pas de bibliothèque de quartier. Donc quand on additionne tous ces outils, on s'aperçoit qu'on a un maillage assez significatif qui nous permet d'aller proposer la lecture aux gens au plus près de chez eux et non pas attendre, je dirais en spécialiste que nos agents sont en matière de lecture, attendre que le public vienne dans les grandes structures. Et je crois que pour être efficace, il faut avoir cette complémentarité de grosses structures qui rayonnent, qui ont des moyens, et aussi des structures plus modestes, mais qui ont l'avantage de créer un rapport de proximité avec nos concitoyens et avec les familles. Tout cela dans un contexte où, on le sait, la concurrence n'a jamais été aussi vive entre l'image et le texte. Et l'enjeu, il est là, et la difficulté, elle est là. Parce que la facilité d'aujourd'hui, la mode d'aujourd'hui, porte à l'image, déporte les enfants vers les écrans et au contraire les retient de l'approche plus classique de la lecture. Alors effectivement, la question qu'on s'est posée, ce n'est pas simplement d'avoir une approche institutionnelle, de mettre des moyens. La question qu'on s'est posée, c'est comment donner envie. Et le parti que nous avons pris, c'est d'associer quasi systématiquement sur des propositions, sur des événements, la lecture avec un événement ludique, avec la notion de loisir. Faire correspondre chaque fois que l'on peut la convivialité avec l'approche, je dirais, plus classique. En ce moment, on développe une campagne de communication, régulièrement on fait évidemment des campagnes de communication, sur la thématique la lecture dès les premiers âges. Et cette campagne, ben là aussi, on la déploie sur tout le territoire communal, donc dans tous les quartiers. Quelques chiffres, justement, j'ai demandé qu'on me rappelle ces chiffres pour pouvoir les partager avec vous. En 2021, tout ce réseau des bibliothèques toulousaines a compté 18 160 abonnés de moins de 12 ans.
Et sur ces 18 160 abonnés de moins de 12 ans, la part des plus petits, des 0-3 ans, c'est quand même 6 964 gamins. Donc ça veut dire que nous avons mis en place toute une démarche avec des objectifs et un suivi chiffré pour que, année après année, on puisse mesurer l'impact des initiatives que l'on prend, des événements que l'on crée, des animations que l'on organise en direction du jeune public pour l'éveiller à la lecture. Alors, quelques initiatives sur les différentes tranches d'âge jeunesse. On a créé un événement qui s'appelle le Forum Famille. On l'a organisé, non pas dans tous les quartiers, mais dans 6 secteurs géographiques différents de Toulouse au mois de janvier dernier. Et donc là, avec une offre lecture. Les crèches avec une action spécifique, bien évidemment, chacun peut le comprendre. En 2021, on a touché 1 800 enfants à travers 120 actions de médiation spécifiquement organisées et conçues pour les 0-3 ans dans les crèches. Et puis après, vous le savez, les municipalités ont la responsabilité du premier degré en tant que bâtiment, école maternelle, école primaire, et la responsabilité des centres de loisirs associés à l'école et le périscolaire. C'est quelque chose de très développé, hein, c'est un budget de 45 millions par an, le périscolaire. On a été la première grande ville de France à équiper toutes les écoles d'un centre de loisirs. C'était fin 2007, quand j'étais maire la première fois. Et j'étais très fier parce qu'on était pionniers et que, dans cette démarche sur le périscolaire, le livre, déjà, avait toute sa place. Et sur cette tranche-là, en 2021, il y a eu pas moins de 715 actions qui ont permis de toucher 10 000 enfants. C'est ce que nous avons fait. On a également encouragé la création de clubs lecture. Là, on est sur la tranche 9-15 ans. Et puis, parce que c'est une des conditions pour réussir et pour, je dirais, continuer à être attractif, il faut être capable de créer de la nouveauté. Et donc, on a également une politique d'investissement avec des moyens qui sont en place chaque année. Et pour vous donner un ordre de grandeur, toujours sur 2021, puisque c'est la statistique que j'ai demandée avant notre rencontre, on a pour les plus jeunes acquis 23 000 documents jeunesse qui sont à leur disposition dans le réseau des établissements que je vous ai détaillé. Un dernier mot pour dire aussi une dimension qu'on a développée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Tout ce que je vous ai dit, c'est au niveau municipal, puisqu'on est là sur une compétence municipale. Pour autant, au niveau de la métropole, c'est 37 communes, on a eu l'idée, même si ce n'est pas une compétence métropolitaine, on a eu l'idée de faire un certain nombre d'actions en commun, quasiment toutes les communes, sur la base du volontariat, puisque ce n'est pas une compétence métropolitaine. Et donc, on a une politique de lecture publique qui est assez active, où là aussi, on coopère entre communes de taille extrêmement différente. Toulouse, 500 000 habitants, et à l'autre bout de l'échelle, il y a Mondouzil, une commune de 250 habitants, et puis vous avez des communes avec des tranches démographiques. Là aussi, si je vous dis cela, c'est pour vous dire qu'à partir de l'impulsion de la grande ville, Toulouse, 500 000 habitants, on peut entraîner les autres communes. La métropole, c'est 800 000 habitants. Et donc là aussi, mutualiser, échanger, partager les moyens, mettre en place des initiatives où on diffuse. Nous avions créé une manifestation avec Olivier Poivre d'Arvor, qui est le marathon des mots. Ce marathon des mots que j'avais lancé, je crois, en 2006, au début, était une manifestation toulousaine, avec des rendez-vous de lecture pendant un long week-end dans Toulouse, dans des lieux plutôt sympas ou très patrimoniaux.
Nous l'avons étendu aux communes volontaires de la métropole, ce qui permet aux Toulousains, là aussi, de leur offrir la possibilité de découvrir telle ou telle commune rurale ou quasi-rurale dans laquelle ils n'avaient pas eu l'occasion d'aller. Mais là, ils y vont parce qu'il y a cet événement, un événement donc mutualisé en quelque sorte au niveau de la métropole. L'édition suivante, l'édition prochaine, est prévue du 23 au 30 juin prochain. Et nous avons également une autre initiative qui est plus tardive, pendant un mois entre fin juin et fin juillet, qui s'appelle Partir en livre. Et ça aussi, on le partage au niveau de la métropole. Il y a quelque chose comme 2-3 ans, Éric Orsenna avait été chargé d'un rapport sur l'état de la lecture en France. Et on avait échangé avec lui. Et nous avons été très fiers ensuite quand nous avons été cités dans le rapport comme étant assez pionniers. Voilà, je vous dis ça à titre donc de données de réflexion, parce que ce que je crois, c'est qu'on a intérêt à se parler. Il y a un drame en France qui existe trop souvent, c'est une approche brutale et que je qualifierais d'intégriste entre le public et le privé. Moi, je suis partisan de créer des passerelles. Et sur un enjeu comme celui-là, c'est important que la puissance publique et les professionnels du secteur privé puissent se parler et travailler ensemble. Et donc, je voulais vous remercier d'avoir pris cette initiative de ce colloque, saluer le choix que vous avez fait de le tenir à Toulouse et dans un lieu plutôt original pour parler de lecture. Mais c'est un lieu qui incite à jouer collectif. C'est un lieu qui incite à faire un effort, y compris quand les choses sont difficiles. On a connu ici, il y a 2 ans, un club de foot qu'on aime beaucoup, le TFC, qui malheureusement est tombé en deuxième division. Et pendant 2 ans, ils ont essayé de remonter. L'an dernier, ils ont failli. Ça s'est joué à peu. Et cette année, ils ont réussi magnifiquement à remonter et même à décrocher la Coupe de France, à être en champion de France de la Ligue 2. Et donc, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil pour vous dire que même quand les causes sont difficiles, quand on est animé d'une vraie volonté et qu'on sait jouer ensemble, on y arrive. Et je suis sûr que c'est cet état d'esprit collectif qui anime les éditeurs de l'éducation que je suis heureux de saluer en vous souhaitant un bon colloque. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, moi, je suis Valérie Barthez. J'ai la chance et le plaisir de diriger l'Association des éditeurs d'éducation. Donc, je ne vais pas parler très longtemps puisque nous allons tout de suite donner la parole à notre premier intervenant, donc, qui est en visioconférence. Donc, vous allez le voir pour les personnes présentes s'afficher sur les écrans et derrière vos ordinateurs également s'afficher sur votre écran. Voilà. Bonjour, Grégoire. Donc je vous présente, vous êtes professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l'éducation à l'Université de Paris et vous dirigez également le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant du CNRS. Donc voilà, un grand merci d'avoir accepté notre invitation et de lancer nos réflexions de l'après-midi après les quelques mots de monsieur le maire qui ont déjà introduit un peu les propos. Donc voilà, je vous laisse nous parler donc de la littérature à la littératie. Apprendre à apprendre en apprenant à lire. Très beau titre d'intervention. Je vous cède la parole. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais essayer de partager mon écran si ça fonctionne. Je vais voir si j'y arrive. Top. Alors, attendez. Tac, fenêtre. Est-ce que ça fonctionne de votre côté? Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Ça marche, hein, je pense, du côté de la salle, en tout cas. Il faut juste peut-être le mettre en diaporama marche. Pour que ça soit plus lisible. Alors, il est en diaporama de mon côté. Ah, je ne sais pas si... Il est... Alors, je vais essayer un autre... Ça ne marche pas très bien, en règle générale, pour tout vous dire. Hop, je vais réessayer.
Allez-y, mais sinon, c'est lisible. OK, très bien. Je vais essayer de l'agrandir. Est-ce que il est... là, c'est mieux là, ou pas? C'est un petit peu plus grand, mais la slide est coupée. Ah. Alors, repartez de là d'où vous venez, et puis on va s'en occuper côté technique. OK, très bien. Donc, remettez comme c'était en premier, et puis on va s'en arranger. Très bien. Je réessaye. Fenêtre. Hop. Ça commence toujours comme ça, de toute façon. Est-elle toujours coupée? Oui. Mystère. En voulant mieux faire. Je ne sais pas. Est-elle encore coupée? Là, c'est mieux. Bon. Je vais essayer allez-y, comme ça. Alors. Allez-y. Ouais. Très bien. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, j'aurais bien aimé que ça s'appelle de la littérature à la littératie, mais ça sera de la lecture à la littératie. Je n'aurais pas la prétention de vous parler de littérature aujourd'hui. Enfin, je vais en parler un tout petit peu, mais je vais essayer effectivement de vous expliquer un peu comment finalement le cerveau apprend à lire et qu'est-ce que ça développe finalement dans le cerveau humain d'acquérir cet outil culturel, parce que il y a un peu ici un paradoxe, c'est que c'est un outil culturel qui est apparu il y a très longtemps du point de vue de la phylogénie, de l'histoire de notre espèce, 5400 ans. Et pourtant, notre cerveau est toujours non lecteur à la naissance. Et donc, il y a un véritable enjeu, c'est-à-dire à passer d'un cerveau non lecteur à un cerveau lecteur. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile d'apprendre à lire. Ça prendra entre 4 à 5 ans pour devenir un décodeur expert. C'est-à-dire la simple fait d'arriver à accéder finalement au sens des mots en les décodant. Et puis, dans un deuxième temps, il y aura le véritable enjeu de la lecture. Hein. Être lecteur expert, c'est finalement être en mesure de comprendre le sens de ce texte. Donc, c'est évidemment complexe parce que c'est un outil culturel. Ça veut dire que, comme c'est un outil culturel, ça nécessite de reconfigurer en profondeur notre cerveau. Et c'est de tout cela dont je vais vous parler. Et je vais vous montrer aussi que, probablement, l'acquisition de ce premier outil culturel aura un effet de façon plus globale sur des processus qui nous permettent d'acquérir d'autres outils culturels. C'est pour ça qu'il y a un véritable enjeu à savoir bien lire, parce que quand on sait bien lire, on a des effets en cascade sur tout type de littératie, que ce soit la littératie scientifique, la littératie numérique et autres. Donc il y a un véritable enjeu de ce point de vue-là. Alors, je vais passer très, très rapidement sur les premiers aspects, parce que je pense que sans doute Franck Ramu va revenir dessus tout à l'heure. Mais prendre quand même en compte cette idée que finalement, apprendre à lire, ça repose sur un système alphabétique d'une puissance extrêmement importante. On sait que le langage est composé globalement de 20 à 50 phonèmes, donc 20 à 50 sons du langage. Et à partir de la combinaison de ces 20 à 50 phonèmes, on peut globalement produire tous les mots du langage, c'est-à-dire 60 à 100 000 mots. Donc on voit que finalement le langage, que ce soit le langage oral, et puis a fortiori le langage écrit, est en fait un système de combinatoire. On combine des sons de la langue pour créer tous les mots du langage, et puis on combine des lettres pour finalement écrire les sons de la langue, et en combinant ces lettres entre elles, on crée des graphèmes, et ces graphèmes peuvent ensuite être transposés en phonèmes. Et donc, on a un nombre limité de symboles visuels. Alors, en fonction des différents systèmes alphabétiques, on a un nombre de lettres qui va différer. Et puis, évidemment, je ne parle même pas des systèmes alphabétiques ou des systèmes en idéogrammes. Et ces lettres, comme pour les sons du langage, elles peuvent être combinées entre elles pour produire tous les graphèmes correspondant à tous les phonèmes. Donc, c'est aussi, évidemment, un des enjeux de l'apprentissage de la lecture, c'est donc d'apprendre très explicitement, et c'est bien ça l'enjeu, c'est qu'à un moment, il faut apprendre explicitement les correspondances entre les graphèmes et les phonèmes. Je ne vais pas du tout rentrer dans la problématique des méthodes de lecture, mais on sait que du point de vue cérébral, si on veut pouvoir accéder finalement à la prononciation des mots et donc à leur sens, parce que tout l'enjeu effectivement c'est de faire coexister des mots qui sont déjà dans le vocabulaire de l'enfant et d'être en mesure de les reconnaître quand ils sont écrits, il va falloir apprendre ces correspondances graphophonémiques. Sauf que ça prend du temps d'apprendre ces correspondances graphophonémiques et encore une fois, ça n'est vraiment que la toute première étape
de l'acquisition de la lecture, puisque le véritable enjeu, encore une fois, c'est d'accéder au sens du texte et donc d'être en mesure, au-delà du décodage des mots, de pouvoir accéder finalement à la richesse du texte. Et donc cet apprentissage finalement graphophonémique, elle commence d'abord par un apprentissage très explicite. Donc ça, c'est les premières étapes de l'apprentissage de la lecture. On a des lettres, et c'est ce qu'on voit à gauche de cette diapositive, on a des lettres, et progressivement, on va associer finalement ces lettres au son qu'elles produisent, et globalement, on va développer la phonologie et le lexique. Et puis, il y a l'étape d'après, c'est effectivement de ne plus être au niveau de la lettre, mais au niveau du mot, et on va pouvoir effectivement commencer à apprendre ce décodage, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre de graphèmes, les associer à des phonèmes. Mais la dernière étape de l'apprentissage de lecture, et c'est un peu ça l'enjeu finalement, c'est qu'à un moment, cette lecture, elle n'est plus une lecture supervisée. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une interaction de tutelle dans laquelle on apprend finalement pas à pas l'association entre les graphèmes et les phonèmes. On passe par un long moment d'auto-apprentissage. Et donc, il y a un véritable enjeu à maintenir le plaisir de la lecture suffisamment longtemps pour que cet auto-apprentissage puisse avoir lieu. Dit autrement, à chaque fois qu'on lit un mot, finalement, on s'entraîne à décoder. On s'entraîne à faire cette association entre graphème et phonème. Si on prend Harry Potter et alors je ne suis pas hyper calé sur les Harry Potter, mais le demi-prince, je crois, ou quelque chose comme ça, le prince de demi-sang, ou un truc comme ça, si je fais une traduction littérale, c'est plus de 70 000 mots dans ce texte, donc c'est plus de 70 000 situations d'auto-apprentissage. Et donc, il faut bien comprendre qu'effectivement, l'apprentissage de cette lecture, cette expertise dans le décodage, elle se fait par cet auto-apprentissage, cet apprentissage non supervisé, finalement, dans lequel l'enfant, par sa lecture, va pouvoir progressivement continuer à développer son expertise en lecture. Et avec un véritable enjeu, c'est qu'on sait que pour un certain nombre de troubles neurodéveloppement, comme la dyslexie, souvent, ce qu'on observe, c'est des petites différences au moment de l'apprentissage, par exemple de la lecture, qui vont, de façon cumulative, s'amplifier au cours du temps, parce qu'un enfant dyslexique, typiquement, va lire en un an ce que les enfants non dyslexiques lisent en deux jours. Et on voit bien là, finalement, le poids de ces inégalités éducatives, cet enjeu, finalement, de maintenir les enfants dans la lecture, parce qu'effectivement, ils ne sont pas, d'une certaine manière, tous égaux dans leurs auto-apprentissages de cet outil culturel. Et ce n'est pas spécifique à un système de langagier. On sait que maintenant, en fonction, quelle que soit d'une certaine manière la langue, on a une convergence du réseau dans le cerveau humain qui va permettre finalement d'associer des graphèmes à des phonèmes et ensuite de décoder finalement le sens des mots. Alors c'est vrai évidemment pour les systèmes alphabétiques, c'est un peu différent pour les systèmes qui fonctionnent en idéogramme, même s'il y a quand même des aires, notamment langagières, qui sont relativement similaires, quelle que soit la langue considérée, quelle que soit le degré de transparence de la langue. Vous savez que les langues ont des degrés de transparence différentes. L'espagnol, typiquement, l'italien sont des langues très transparentes. Ça veut dire que la régularité entre les phonèmes et les graphèmes, ces langues ont une régularité forte entre graphèmes et phonèmes, contrairement au français qui a une régularité moins forte de ce point de vue-là, et l'anglais de ce point de vue-là, une langue particulièrement difficile, dans laquelle c'est particulièrement difficile d'apprendre le langage écrit parce que le degré de transparence est relativement faible dans cette langue-là. C'est-à-dire qu'il y a peu de régularité entre l'association des graphèmes et des phonèmes. Alors, l'acquisition de la lecture, il faut aussi la comprendre dans un tissu biologique, en l'occurrence le cerveau, parce que tous nos apprentissages, finalement, s'instancient dans finalement du temps qu'il passe à l'école. On est en interaction avec un tissu biologique, le cerveau, qui est en train de se développer et qui a en plus une particularité, c'est qu'il ne se développe pas exactement au même rythme dans les différentes régions cérébrales. Si vous regardez le centre de cette diapositive, vous avez les différentes courbes de maturation, de croissance cérébrale. Et ce qu'on voit, c'est que contrairement aux
courbe de croissance, par exemple, du poids et de la taille dans le carnet de santé des enfants, on voit que cette maturation cérébrale, cette croissance cérébrale, elle s'opère à différents rythmes dans différentes régions cérébrales. Elle s'opère finalement sur un axe postéro-antérieur. Les premières régions du cerveau qui vont finir leur maturation le plus tôt sont les régions sensorimotrices, puis ce sera les aires pariétales et temporales qui sont les aires qui, dans lesquelles les différentes modalités, les différentes informations, les différentes modalités sensorielles vont converger, être associées les unes avec les autres. Et puis la dernière partie de notre cerveau qui va maturer, c'est le cortex préfrontal. C'est cette partie du cerveau qui est juste derrière notre front, mais qui finalement est celle qui, qu'on engage dès qu'on est dans des situations de réflexion, de raisonnement, mais aussi dans le langage, dans la planification des différentes étapes au cours de la résolution d'un problème. Et puis toutes les fonctions de régulation, que ce soit les régulations cognitives, émotionnelles ou comportementales, elles vont nécessiter l'engagement de ce cortex préfrontal. Et si vous regardez la fin de ces courbes de croissance dans le cerveau, vous voyez que pour ces trois grandes parties finalement de notre cortex, le cortex c'est la couche externe de notre cerveau, finalement ça s'arrête à 16, 18 et 20 ans. Donc on voit bien que ce tissu biologique il continue sa maturation et sa croissance extrêmement tardivement, beaucoup plus tardivement d'ailleurs que ce que le dit la société, puisque la société à 18 ans donne une carte d'identité en disant aux adolescents qui sont maintenant des adultes, ce qui est effectivement une aberration du point de vue de ce qu'on connaît de la croissance cérébrale, et ce qui explique aussi qu'il y a des périodes de la vie dans lesquelles effectivement, nos comportements, la façon dont nous raisonnons, la façon dont nous allons effectivement traiter l'information est un peu différente parce que justement, il y a des décalages de maturation entre différentes régions cérébrales. Et puis, dernière information importante sur la maturation de ce tissu biologique, la croissance de ce tissu biologique, c'est que contrairement à ce qu'on peut un peu entendre de façon un peu récurrente dans la société, et puis on voit bien que c'est évidemment un enjeu, il y a la période de la toute petite enfance. Alors, c'est vrai que la période de la toute petite enfance, elle se caractérise par une plasticité très forte du cerveau. Plasticité très forte du cerveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, que notre cerveau est particulièrement sensible à l'environnement. Et ça s'explique aussi parce que c'est une période, effectivement, où notre cerveau va être en pleine croissance. Hein. On est quand même sur des moments où il peut se créer jusqu'à 250 000 connexion entre les neurones à la minute. Donc, c'est effectivement des moments de la vie dans lesquels le cerveau va totalement se configurer, se reconfigurer, mais ce n'est pas la seule période où notre cerveau est particulièrement sensible à l'environnement. La période de l'adolescence, c'est aussi une période où notre cerveau va être particulièrement influencé par l'environnement, notamment par l'environnement social. Alors, cet environnement, il peut jouer effectivement de façon positive sur le développement de ce tissu biologique qui, finalement, qui a pour fonction de faire émerger notre pensée, mais il peut jouer évidemment de façon négative. Et on sait par exemple que des enfants qui viennent de milieux sociaux défavorisés, leur courbe de croissance cérébrale va être différente de celle des enfants qui vivent dans des milieux plus favorisés dès 4 mois après la naissance. Et donc ça, c'est vraiment le poids réel des inégalités sociales sur le développement de l'enfant, sur son développement cognitif et socio-émotionnel, parce que ce milieu social a un effet sur le cerveau. Il faut bien le comprendre. C'est-à-dire, si ça n'avait pas d'effet sur le cerveau, ça n'aurait pas d'effet sur le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant. Alors pourquoi? Parce que dans des milieux sociaux moins favorisés, on sait qu'il y a effectivement un certain nombre de facteurs qui sont non optimales pour la croissance cérébrale, notamment l'exposition à du stress chronique très important, qui a un effet sur le cortisol. Il y a des récepteurs au cortisol dans le cerveau humain. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des différences de croissance cérébrale. Moi, je joue aussi, évidemment, sur la qualité du sommeil. La qualité du sommeil est très liée à la plasticité cérébrale et aux apprentissages de l'enfant. Et puis, ça joue aussi sur la nutrition et la stabilité émotionnelle de ces environnements. Donc, comprendre, finalement, l'acquisition de la lecture, c'est aussi de la comprendre, finalement, cette acquisition, au regard, finalement, d'un tissu biologique qui est lui-même en développement. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Un enjeu, c'est que effectivement, quand on regarde chez un lecteur expert et quand ce qu'il se passe quand il lit des mots, on voit qu'il y a deux grandes voies dans le cerveau pour accéder au sens des mots et du texte, une voie directe et une voie indirecte. Et finalement, le véritable enjeu de l'apprentissage de la lecture, d'un point de vue cérébral, hein, évidemment, c'est d'arriver à faire communiquer
les aires visuelles du cerveau, qui sont plutôt localisées dans les aires postérieures du cerveau, cortex occipital qui se retrouve, qui est juste derrière votre tête, et d'arriver à ce que cette information soit finalement envoyée vers les aires langagières du cerveau que vous voyez représentées ici en orange. Et donc, apprendre à lire, c'est précisément apprendre au cerveau à connecter ces régions visuelles avec les régions du langage. Parce que dans une première étape de l'apprentissage de la lecture, c'est bien par cette voie indirecte qu'il faut passer, c'est-à-dire je vais décoder finalement des suites de lettres dans cette région représentée en rouge. L'information va être transférée dans les aires de la prononciation et de l'articulation de telle manière à pouvoir reconnaître le mot, et ensuite dans le cortex frontal qui est représenté ici en vert, on va pouvoir accéder, dans la bulle de verte la plus à gauche de la diapositive, on va accéder au sens du mot. Et puis, à mesure que notre expertise en lecture va augmenter, à mesure que nous avons une familiarité par rapport aux mots auxquels nous sommes exposés, nous allons passer par une voie beaucoup plus directe de la lecture, qui est ici en vert, qui permet à partir de la forme globale du mot d'accéder directement à son sens. Et effectivement, c'est aussi ce qui caractérise l'expertise en lecture. Mais on comprend bien ici, un peu intuitivement, que si je n'ai pas appris dans un premier temps à faire l'association entre graphème et phonème, je vais évidemment avoir du mal, à chaque fois que je serai exposé à un mot nouveau, d'être en mesure de pouvoir le décoder et donc d'accéder potentiellement à son sens. Donc, on voit bien que les deux aires vont coexister dans le cerveau expert. Et ce qu'on sait effectivement chez les lecteurs experts, si on regarde ce qui se passe dans leur cerveau, on se rend compte qu'une fois que nous avons développé une expertise en lecture, nous avons des aires cérébrales dans notre cortex visuel qui sont spécifiquement dédiées à la reconnaissance des lettres et des mots écrits. C'est ce qu'on appelle l'aire de la forme visuelle des mots. Et ce qui est intéressant d'un point de vue développemental, c'est que réellement apprendre à lire, c'est d'une certaine manière réutiliser des territoires du cerveau qui sont à l'origine dédiés pour certaines fonctions et qui vont se spécialiser pour ce nouvel outil culturel, pour nous permettre d'acquérir ce nouvel outil culturel. Ici, ce que vous voyez à gauche de la diapositive, c'est justement cette aire de la forme visuelle des mots. Alors, c'est un cerveau qu'on regarde un peu de façon particulière, on le regarde en fait par en dessous. Et ce que vous voyez, c'est en fait un cerveau par en dessous. Donc, ce qui est à gauche, c'est l'hémisphère droit, et ce que vous voyez à gauche, c'est l'hémisphère gauche. Et ce qu'on remarque, effectivement, si on s'intéresse maintenant à l'émergence progressive de cette aire de la forme visuelle des mots au moment de l'acquisition de la lecture, le type de recherche qu'on a besoin de faire, et c'est ce que l'équipe de Ghislaine Dehaene a mené dans son laboratoire, on a besoin de suivre les mêmes enfants dans le temps. Ce que vous voyez au milieu de cette diapositive, c'est des enfants qu'on a pris avant l'entrée au CP. On va tester le nombre de mots qu'ils sont capables de lire en une minute, et ça s'est attendu, au bout d'une année passée au CP, à la fin de l'année de CP, ils sont en mesure, et puis même à la fin de l'année de CE1, ils sont en mesure de lire évidemment beaucoup plus de mots qu'ils étaient en mesure d'en lire au début de leur entrée dans l'apprentissage de la lecture du langage écrit, avec une variabilité, vous avez vu, qui est importante. Ici, on n'a eu que 10 enfants, donc c'est une étude, évidemment, qui pose un certain nombre de contraintes, parce qu'il faut suivre les enfants dans le temps et les mettre dans une IRM, donc ça prend évidemment beaucoup de temps. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une variabilité extrêmement importante entre les enfants. Et puis, la dernière partie de cette diapositive, c'est justement de vous montrer ce que produit l'acquisition de cet outil culturel sur, finalement, la réutilisation de certains territoires neuronaux, et notamment dans le cortex visuel de ces enfants. Et ce qu'on voit représenté par cette petite flèche verte, c'est là où se trouvera, à la fin de l'acquisition de la lecture, cette aire de la forme visuelle des lettres et des mots écrits. Et ce qu'on voit, c'est que l'activité de cette région, qui est représentée ici par des taches de couleur jaune à rouge, on voit que cette activité augmente entre 53 jours après l'entrée au CP jusqu'à 270 jours après l'entrée au CP. Donc réellement, apprendre à lire, c'est progressivement spécialiser une aire dans notre cerveau qui va prendre en charge un mécanisme extrêmement important pour la reconnaissance, finalement le décodage des mots écrits, c'est-à-dire d'être en mesure déjà de décoder visuellement les graphèmes. Alors, finalement, l'acquisition de cet outil culturel, c'est évidemment de réutiliser certains territoires, mais ça nécessite aussi d'apprendre, et c'est en ça que la lecture est sans doute une situation d'apprentissage qui développe d'autres types de compétences qui sont ensuite nécessaires pour
l'acquisition de tout autre type d'outils culturels, l'acquisition de la lecture, ça nécessite aussi d'apprendre à résister à certains automatismes pour éviter des erreurs systématiques. Et vous savez sans doute qu'il y a une erreur qui est très prévalente dans les premiers temps de l'apprentissage de lecture, notamment dans la reconnaissance des lettres, c'est les élèves qui vont avoir tendance à considérer que le B et le D sont identiques parce que, effectivement, dans notre environnement, généralement, les objets, qu'ils soient orientés vers la droite ou vers la gauche, ont la même identité. Et c'est le cas pour quasiment tous les objets, sauf les lettres dont l'image en miroir constitue une autre lettre. Et ça explique, et ça s'explique en partie du fait de ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire que au tout début de l'apprentissage de la lecture, notre système visuel est plutôt dédié à reconnaître des visages, des objets, des animaux ou tout type de stimuli visuels. Et ce qui est très adaptatif pour reconnaître un visage ou un objet, c'est effectivement de généraliser en miroir. C'est-à-dire, dit autrement, que indépendamment de l'orientation d'un visage dans l'espace, indépendamment d'un objet dans l'espace, vos neurones répondent de la même manière. Et c'est effectivement ce qui se passe dans notre système visuel. Et donc, quand on va introduire progressivement la reconnaissance des lettres, ça va être difficile pour notre cerveau parce qu'il va devoir, d'une certaine manière, résister à cet automatisme de généralisation en miroir pour éviter de confondre le B et le D. Et c'est ce qui explique aussi, par exemple, qu'au tout début de l'apprentissage de l'écriture, quand les enfants apprennent à écrire leur nom, leur prénom, ils vont avoir tendance, par exemple, à les écrire de droite à gauche ou d'inverser les lettres. Et c'est tout à fait normal parce que ce n'est pas un signe fondamentalement de la dyslexie ou qu'il y a un problème dans l'apprentissage de la lecture. C'est simplement quelque chose qui reflète finalement ce temps d'apprentissage, d'acquisition d'un nouvel outil culturel dans lequel on réutilise des territoires qui ont des propriétés qui sont très adaptées pour certaines fonctions, mais qui ne sont pas forcément adaptées pour la nouvelle fonction qu'on est en train d'acquérir, notamment au cours de l'apprentissage de la lecture. Et puis, autre information importante, j'ai beaucoup parlé du décodage graphophonémique, mais évidemment, apprendre à lire, ça repose aussi sur un ensemble de processus de haut niveau impliqués dans tous les apprentissages. Et on sait, par exemple, que vous avez des fonctions qui sont notamment des fonctions du cortex préfrontal, comme la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est typiquement le type de mémoire que vous allez utiliser. C'est une mémoire à court terme quand vous êtes dans une situation de résolution de problème dans laquelle vous ne pouvez pas forcément poser le problème sur une feuille de papier. Si je fais une opération arithmétique de tête, je vais activer un certain nombre d'informations et manipuler ces informations en vue de la résolution de cette opération arithmétique. Typiquement, vous engagez votre mémoire de travail. Et quand on lit un texte, typiquement, on a besoin de cette mémoire de travail parce qu'il faut pouvoir continuer et maintenir en mémoire les informations qui sont au début du paragraphe pour comprendre la fin du paragraphe. Et donc, on voit que la lecture, ce n'est pas simplement du décodage graphophonémique, c'est aussi des processus très transversaux impliqués dans tout type d'apprentissage. C'est vrai aussi, par exemple, de l'attention visuo-spatiale et de la perception visuelle. Quand on lit un texte, on pose son attention à différentes positions sur les mots, mais aussi sur les phrases et sur un paragraphe. Et puis, c'est ce que je viens de vous expliquer, la lecture, ça implique aussi des processus de régulation cognitive de distracteurs. Alors, ça peut être les lettres en miroir, le B et le D, par exemple. Ça peut être aussi des voisins phonologiques pour éviter, effectivement, de faire des erreurs de ce point de vue. Et donc, l'idée, c'est qu'on peut essayer aussi pour développer finalement des stratégies de remédiation de certaines difficultés en lecture, de se dire, plutôt que de travailler sur le langage écrit directement ou sur le langage oral, de travailler de façon plus globale sur ces processus transversaux impliqués dans tous les apprentissages. Et on sait par exemple que l'utilisation de certains jeux vidéo avec des enfants dyslexiques, ici c'est un petit jeu sur lequel il faut tirer sur des lapins qui en avoir deux groupes d'enfants dyslexiques, certains qui vont jouer à des jeux vidéo d'action, celui que je viens de présenter, d'autres qui vont jouer à d'autres types de jeux vidéo. Et finalement, le rationnel de cette étude, c'est de dire qu'on sait que les jeux vidéo développent le système attentionnel des joueurs. Est-ce que ça pourrait potentiellement se transférer aux compétences? C'est-à-dire les enfants dyslexiques. Et ce que vous voyez sur ces histogrammes, je vais aller un peu rapidement, mais NAVG, c'est pour des enfants qui ne jouent pas à des jeux vidéo d'action. AVG, c'est des enfants qui jouent à des jeux vidéo d'action. On teste leurs compétences attentionnelles avant et après utilisation des jeux vidéo. Donc T1, c'est avant utilisation, T2, c'est après utilisation des jeux vidéo. Et ce qu'on voit, c'est que chez des enfants dyslexiques,
AVG, ceux qui ont joué à ce jeu vidéo, ils développent leurs compétences attentionnelles. C'est ce qu'on voit sur les deux histogrammes de la ligne du haut. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que le simple fait d'avoir joué à ces jeux vidéo pendant une douzaine d'heures, évidemment pas d'affilée, hein, c'est sur plusieurs semaines, a un effet positif sur leur capacité de lecture. Ils lisent mieux et plus rapidement. Et donc, cibler ces processus de haut niveau dans la lecture, c'est aussi un moyen, d'une certaine manière, d'améliorer les compétences de lecture. Et je voulais juste vous parler de cette autre expérience que nous menons en ce moment au laboratoire, enfin que Irène Altarelli, avec laquelle je collabore, mène au laboratoire. C'est finalement l'idée qu'on peut faire des interventions personnalisées pour améliorer les capacités de lecteur chez les mauvais lecteurs. Donc, on n'est plus chez des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage de la lecture du fait d'un trouble neurodéveloppemental, la dyslexie. On est chez des enfants qui ont simplement des difficultés de lecture du fait que l'apprentissage n'ait pas été optimal de ce point de vue-là. Et c'est un enjeu hein, pour notre système éducatif parce qu'il y a une prévalence plus importante de mauvais lecteurs chez les enfants qui viennent de milieux sociaux défavorisés. On sait que c'est un rapport quasiment de 1 à 7 par rapport à des enfants qui viennent de milieux sociaux favorisés. Alors, ça s'explique notamment par le fait que ces inégalités dans le domaine de l'apprentissage de lecture s'expliquent en partie par des inégalités préexistantes dans le domaine du langage oral. Toujours est-il qu'une des idées qu'on essaie de tester au laboratoire, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer justement de renforcer ces processus de très haut niveau, c'est-à-dire pas les processus langagiers engagés dans la lecture, mais plutôt des processus attentionnels, des processus de mémoire de travail, de résistance aux automatismes, par des petits jeux, et dont finalement chaque élève mauvais lecteur avec son profil cognitif particulier jouerait à différents types de jeux en fonction de du type de processus qu'il a besoin de renforcer au cours de cet apprentissage. Et donc, Irène a mené une première recherche chez les enfants italiens et on essaye de répliquer le même résultat chez les enfants français, dans lequel les enfants sont testés avant et après l'utilisation de jeux vidéo et puis 6 mois après l'arrêt de l'utilisation de ces jeux vidéo. Et soit ils jouent au jeu dont je viens de vous parler, soit ils jouent à un jeu contrôle, qui est un jeu pour apprendre le codage informatique. Et donc, on va regarder qu'est-ce que ça produit en termes de développement des capacités attentionnelles des enfants, mais on va regarder aussi qu'est-ce que ça produit en termes de capacité de lecture. Et donc en bleu, vous avez les enfants qui jouent au jeu qu'a développé Irène Altarelli, en vert, vous avez les enfants qui jouent à un jeu qui permet d'apprendre le codage informatique. Et ce qu'on voit, c'est que entre avant et après apprentissage, utilisation des jeux vidéo, on a une augmentation, c'est sur la partie gauche de la diapositive, une augmentation des capacités attentionnelles qui se maintient jusqu'à 6 mois après l'arrêt de l'utilisation des jeux vidéo. Et de manière plus intéressante, au niveau de l'apprentissage de lecture, on a un effet du fait d'avoir utilisé ce type de jeux vidéo sur les capacités de lecture qui vont se maintenir jusqu'à 6 mois après l'arrêt de l'utilisation. Dire, mais finalement, apprendre à lire, ça renforce aussi des processus de haut niveau impliqués dans tous les apprentissages. Donc, la question, ça pourrait être aussi de se dire, qu'est-ce qui se passe quand on apprend à lire? Qu'est-ce qu'on développe comme processus transversaux, finalement, qui nous permettent d'acquérir d'autres types d'outils culturels? C'est une autre façon d'aller regarder et d'aller interroger ce que produit finalement la lecture sur les mécanismes engagés dans tout type d'apprentissage. Alors, on sait qu'effectivement, il y a un certain nombre de données qui suggèrent que le simple fait d'être un lecteur a des effets sur notamment un certain nombre de processus de haut niveau qui sont engagés dans tous les apprentissages et notamment sur la mémoire de travail dont j'ai déjà parlé. Les lecteurs, que ce soit ceux qui ont appris dans une éducation formelle ou sans éducation formelle, ont une meilleure mémoire de travail que ceux qui sont non lecteurs. Donc, on voit bien là qu'il y a un enjeu, puisqu'on sait que la mémoire de travail est aussi un des facteurs qui explique notre réussite éducative. Et puis, deuxième idée, on sait aussi que la lecture, ça peut avoir des effets de façon plus générale, notamment sur des processus qui sont importants pour la socialisation des individus. Ici, c'est une recherche qui suggère que les adultes qui lisent de la fiction littéraires ont de meilleures théories de l'esprit. Les théories de l'esprit, c'est typiquement ces mécanismes qui nous permettent d'inférer des états mentaux à autrui. Dit autrement, c'est tous les mécanismes qui nous permettent de comprendre les intentions des autres individus dans notre environnement social. Ce sont tous les processus qui nous permettent aussi d'inférer et de comprendre les états émotionnels que traversent les personnes dans notre entourage. Et c'est donc très lié, par exemple, à nos capacités d'empathie. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le simple fait de lire de la littérature a un effet sur le développement, sur
ces compétences de théorie de l'esprit. Alors, il y a une autre recherche qui a été menée chez les enfants de maternelle qui montre que le simple fait de faire de la lecture en classe et de poser des questions sur les états mentaux des personnages a des effets bénéfiques sur le développement des théories de l'esprit. Très rapidement, parce que je ne voudrais pas trop déraper sur le temps, vous dire évidemment que la littératie et la numératie, mais je vais plutôt me focaliser sur la littératie, on sait que ça a des conséquences largement au-delà du cadre scolaire. On sait par exemple que les individus qui ont une meilleure littératie ont des meilleures réussites scolaires et une meilleure réussite professionnelle. On sait aussi que la littératie est très liée au fait d'une bonne littératie, ça évite de sortir du système éducatif à 16 ans. Avoir une mauvaise littératie est lié à avoir un moins bon niveau d'emploi à temps plein et est lié au fait d'avoir deux fois plus de chances d'être au chômage. C'est vrai aussi pour ce qui est de la dimension de la santé physique et de la santé mentale. Donc, il y a un véritable enjeu, finalement, à développer des bonnes compétences de littératie parce qu'on voit bien que ça a un effet en cascade sur l'ensemble de notre vie et pas simplement de notre vie scolaire. Et puis, on sait aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que la lecture, les compétences de lecture sont très liées aux compétences de littératie scientifique. Donc, il y a aussi une nécessité de sortir finalement de cette caricature qui voudrait qu'il y ait des littéraires et puis il y ait des scientifiques et les littéraires qui soient en mesure d'avoir une bonne littératie et puis les scientifiques qui n'auraient pas forcément des bonnes capacités de lecture. Ce qu'on sait, c'est que c'est sans doute une simplification de ce qu'on observe en tout cas chez les lycéens, chez lesquels en tout, ceux qui ont la meilleure littératie, et ici on est vraiment dans la compréhension des textes, sont ceux qui ont des meilleures compétences dans le domaine scientifique. Et puis, on sait aussi que finalement, comme cette lecture, elle nous permet de comprendre le monde et de comprendre le réel, et qu'elle développe notamment ce qui relève du contrôle cognitif, de notre capacité à résister à des automatismes, elle est aussi très liée finalement à notre capacité à raisonner de façon logique. Alors, je n'ai pas tout à fait le temps de vous montrer ça, mais on peut tester finalement nos capacités de raisonnement logique à travers des petites situations pièges dans lesquelles on sait que les individus ont des difficultés. On sait par exemple que si je vous demandais une tablette et son étui coûte 240 €, la tablette coûte 200 € de plus que l'étui. Combien coûte l'étui? Très probablement, la première réponse qui vous vient à l'esprit, c'est 40 €. Alors, ce n'est pas la bonne réponse, vous êtes laissé piéger par le contenu sémantique de ce problème-là. Et effectivement, on sait que chez les individus, il peut y avoir des difficultés spécifiques à raisonner dans un certain nombre de contextes. Et on sait que c'est vrai à tous les niveaux de l'apprentissage scolaire. Dès qu'on est dans une situation de piège, notre cerveau peut à un moment être court-circuité d'une certaine manière par certains automatismes qui sont construits dans les années antérieures la scolarité. On sait aussi que, par exemple, chez les enfants de CM1 ou de CM2, si on leur demande Pierre à 20 000, on a 5 de plus que Paul, combien de billes à Paul, les enfants ont tendance à vous répondre 25, parce qu'ils entendent plus dans l'énoncé du problème, et que pour eux, jusque-là, le plus était associé à l'addition et le moins était associé à la soustraction. Et donc, on voit bien que dans les situations pièges, il y a aussi une notion, évidemment, de compréhension du texte, parce que si on a bien compris le texte, c'est une façon de mieux pouvoir raisonner. C'est vrai aussi, et vous le savez, dans le domaine de comment contrer les paralogismes et les sophismes. Vous savez que les philosophes grecs avaient développé les syllogismes qui nous permettent de raisonner de façon logique, quel que soit le contexte. Je vais avancer un peu parce que je voudrais vous parler vraiment de cette dernière partie de mon exposé, qui est effectivement que la lecture, c'est aussi accéder à l'information, que ce soit dans différents types de médias, avec un enjeu particulier en France. C'est qu'en France, nous sommes un pays dans lequel la défiance dans les médias est assez importante. Ici, c'est une étude qui a été menée par Ipsos et qui montrait que si vous regardez en France, ici, plus vous êtes dans des couleurs orange et rouge, plus la défiance est importante, que ce soit pour les magazines papier, que ce soit pour l'information à la télévision ou à la radio, que ce soit sur des informations qu'on trouve en ligne, que ce soit des gens qui partagent de l'information dans nos réseaux sociaux, et que paradoxalement, ce sur quoi nous faisons peser la véracité de l'information, c'est notre proximité finalement physique. Alors,
petit problème technique, comme vous pouvez le constater. Normalement, ça devrait revenir le temps de la reconnexion. En espérant que ça marche, parce qu'on va rester un petit peu sur notre fin quand même, sinon avec Grégoire. On y arrive, voilà. C'est reparti. Alors, est-ce qu'on va réussir à rattraper Grégoire Borst ? Alors peut-être juste en attendant, comme vous avez pu le voir, nous avons installé une table et quatre chaises, puisque après l'intervention de Grégoire Borst suivra une table ronde. Tous les intervenants sont en présence. Donc voilà, si on n'arrive pas à reconnecter tout de suite Grégoire Borst, je vous propose de passer directement à la table ronde, si la connexion ne revient pas. Et puis on essaiera de le joindre peut-être pour finir après la table avec lui. Les problèmes techniques qui sont dans tout bon colloque, il faut qu'il y ait le problème technique. Est-ce qu'on bascule sur la table ronde ? On fait un dernier essai ? Sur la plateforme lia.fr, des grandes recherches participatives et collaboratives autour de différentes questions liées aux apprentissages scolaires de l'enfant, et simplement vous montrer qu'en utilisant ce type de recherche, en associant des enseignants qui mènent dans leur classe des projets de recherche expérimentaux avec un pré-test, un post-test, un groupe expérimental, un groupe contrôle, on est en mesure de montrer, par exemple, qu'un certain nombre de jeux, langagiers ou non langagiers, peuvent avoir des effets positifs sur ces capacités de contrôle cognitif et se transférer à un certain nombre d'apprentissages scolaires fondamentaux. Et puis, toutes ces recherches, ça nous permet de développer du matériel pédagogique tiré de ces recherches participatives qui peuvent être ensuite utilisées en classe. On a construit des séquences pédagogiques complètes sur ces questions-là avec des conseillers pédagogiques, et ça nous permet aussi, évidemment, publier un certain nombre d'ouvrages. Ici, on a publié notamment deux ouvrages sur le cerveau pour les enfants, un question-réponse qui s'appelle « Mon cerveau » et « Explore ton cerveau ». Et puis, vous alertez sur un certain nombre de choses qui vont sortir ou qui sont sorties, notamment enseigner aux élèves comment apprendre. Je pense que c'est un véritable enjeu aujourd'hui dans notre système éducatif. Notre système éducatif se caractérise par des inégalités éducatives extrêmement importantes, et un des leviers de diminution de ces inégalités éducatives, c'est bien d'enseigner de façon très explicite quels sont les mécanismes cognitifs et socio-émotionnels qui sont impliqués dans les apprentissages, plutôt que de laisser finalement aux élèves le soin de découvrir ces mécanismes et ces stratégies d'apprentissage. Et donc, on vient de sortir ce livre qui s'appelle « Enseigner aux élèves comment apprendre » pour le collège. Et je pense que c'est une véritable réponse aux problématiques de notre système éducatif. Et puis, il y en a un auquel je tiens particulièrement, qui va sortir le 15 août, qui s'appelle « C'est pas moi, c'est mon cerveau », qui est le premier livre pour expliquer comment fonctionne le cerveau aux adolescents. Voilà, je voulais juste finir sur une phrase de Jean Piaget, qui permet de mettre en perspective ce que c'est que finalement apprendre à lire. Alors, j'ai un peu repris cette phrase-là, j'ai paraphrasé Piaget, mais je pense qu'il faut rester sur cette idée-là, c'est qu'apprendre à lire, c'est sans doute atteindre une forme ultime d'abstraction réfléchissante, où le possible n'est plus considéré comme un cas particulier du réel, mais où c'est le réel qui devient un cas particulier du possible. Voilà, je vous laisse sur cette dernière phrase, et puis je remercie évidemment tous les collègues avec qui je travaille. Ah, oui.
Un grand merci, Grégoire. Oui, alors vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais nous avons eu une toute petite coupure en fin de votre intervention, malheureusement. Alors, ça n'a pas duré très, très longtemps, mais je vous ai laissé continuer puisqu'on vous a récupéré à un moment. Et voilà, je pense qu'on a... Ça n'a vraiment pas duré longtemps, donc je pense que ça ne nuit pas trop à la compréhension. Un grand merci encore pour ces propos qui vont être une excellente transition vers la table ronde. Mais avant, si vous avez quelques instants, je vais proposer... à la salle, une ou deux questions. Malheureusement, on ne pourra pas en prendre beaucoup plus, mais voilà, profitez de la disponibilité de Grégoire Borst si quelqu'un a une question. Je vous en propose qu'une ou deux, mais la première est toujours la plus difficile à poser. Donc... Bonjour, et j'en profite pour vous remercier. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Je suis Célia Rosentrom et je préside l'Association des éditeurs d'éducation. Et en fait, je reviens sur votre recherche sur les lapins crétins, que je vais appeler les lapins crétins, parce que souvent, on nous pose la question, nous... aux éditeurs, finalement, la place de l'écran, la place du numérique, est-ce que tout ça, c'est pas contre-productif sur les apprentissages? Et là, on voit dans votre exemple sur les élèves dyslexiques que finalement, une exposition, j'imagine, assez mesurée, mais raisonnée aux écrans, peut quand même être positive, si j'ai bien compris ce que vous nous avez expliqué. Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement ce que montre cette étude. Alors, ce n'est pas une étude qu'on a menée au laboratoire. Hein, ça a été mené par un groupe de chercheurs italiens. Mais effectivement, on a des effets positifs de certains jeux vidéo sur le développement des capacités attentionnelles. Et comme, et c'est ce que j'ai essayé de dire, il y a des processus attentionnels qui sont engagés dans la lecture, ça se transfère justement aux capacités de lecture. Et c'est effectivement une façon de sortir de ce débat un peu stérile entre l'écran et la lecture. On sait aussi... et je trouvais les données extrêmement intéressantes qui étaient sorties de cette étude Ipsos, qui a été très, très mal relatée de mon point de vue par Le Monde, qui montrait que, contrairement à ce qu'on a pu penser, pendant la période de la Covid, il y a eu une explosion du temps passé devant les écrans, mais pas au détriment de la lecture. Et au contraire, on a des enfants qui ont maintenu le temps qu'ils passent à la lecture, voire même ils l'ont augmenté. Et donc, on voit bien que il n'y a pas d'opposition formelle à avoir. Il y a effectivement un enjeu de la qualité des contenus auxquels on expose les enfants sur les écrans. Et c'est vrai pour tout type d'écran, hein, pas forcément que des écrans interactifs. On sait par exemple que l'utilisation de certains programmes audiovisuels pour la jeunesse, comme Dora l'exploratrice, ça a des effets positifs sur le développement du vocabulaire de l'enfant. D'autres types de programmes, qu'on regarde aussi sur une tablette ou à la télévision, vont avoir des effets négatifs sur le développement du vocabulaire de l'enfant. Donc encore une fois, il ne faut pas être caricatural de ce point de vue-là, il faut rentrer dans le contenu. Et finalement, c'est assez logique que ce soit le contenu qui prédise plus que l'objet, finalement, les effets positifs ou délétères qu'on observe. Merci. Pas de deuxième question. Donc encore un grand merci d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Et voilà, en espérant avoir l'occasion d'échanger autour de toutes ces questions. Très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci. Alors, je vais laisser donc la table ronde qui suit s'installer tranquillement en présentant. Donc, on va tenter cette fois-ci de rentrer dans la classe et dans l'école. Après les propos de Grégoire Borst qui étaient plus élevés, de rentrer dans du concret. Et avec les différents intervenants, je vais laisser Louise Touré les présenter, s'attacher plus au rôle de l'école dans l'apprentissage de la lecture et est-ce que, voilà, quelle perspective tout ça nous offre. Louise Touré, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Rôle de l'école et puis au sens qu'on donne à la lecture. J'aime beaucoup le titre de cette table ronde, Apprendre à lire pour lire par plaisir, ce qui dépasse peut-être un peu... dans la tête de certains, les missions de l'école, mais on va voir tout ça. Et j'aimerais ajouter aussi apprendre à lire avec plaisir, ce qui peut être une belle ambition. J'espère que ça arrive aussi. Je vais présenter sans plus tarder, parce qu'on a un peu de retard, les intervenants et intervenantes de cette table ronde. Jérôme Rioux, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Donc vous êtes ici chez vous. Vous allez nous parler de vos recherches, d'où vous venez aussi, puisque vous avez été professeur des écoles. À vos côtés, Hélène Kérilis, bonjour. Vous connaissez bien l'école aussi en tant qu'autrice, parce que vous vous rendez souvent dans des écoles, dans des classes. C'est ça aussi qui donne du sens à la lecture, ce partage et cette rencontre qu'on peut avoir autour des livres. C'est très important
pour les enfants. Et enfin, Valérie Pertuet, directrice du département primaire, édition Attier. On va parler avec vous de livres, de manuels, mais aussi de livres pour lire, puisque c'est quand même le but de lire. Enfin, il y a plein. Il y a plein d'objectifs dans le fait d'apprendre à lire. Et moi, Louise Touré, donc je suis journaliste spécialiste de l'éducation. J'anime une émission radio sur le sujet depuis 12 ans. Voilà, ça fait longtemps. Donc j'ai eu le temps de parler de la lecture, des méthodes de lecture et de plein de choses qui concernent ce sujet. Et surtout cette année, puisque c'est lecture grande cause nationale en France, et on s'interroge souvent sur comment faire lire les enfants. Alors c'est vrai que la première marche, c'est d'apprendre à lire. Je vais commencer avec vous, Jérôme Rioux. J'ai dit très rapidement que vous étiez chercheur. Un mot sur vos recherches, sur l'apprentissage de la lecture. Et j'ajoute une petite question. Je crois que votre micro marche. Ça fonctionne. Oui, peut-être bien. Ça fonctionne, il faut parler un petit peu fort. Et donc, vous venez vous-même de l'enseignement du premier degré. Donc, comment vous êtes passé de l'un à l'autre et sur quoi portent vos travaux ? Bonjour. Donc, oui, effectivement, je suis maître de conférence à l'Université de Toulouse Jean Jaurès dans un laboratoire qui s'appelle UMR, Unité Mixte de Recherche, Éducation, Formation, Travail et Savoir, EFTS. Voilà. Et donc c'est vrai que j'ai débuté donc dans l'enseignement à l'école primaire. J'ai enseigné dans toutes les classes de l'école primaire, de la toute petite section, donc avec des enfants de 2 ans, jusqu'au cours moyen deuxième année. Et donc au cours de ma carrière, j'ai décidé de franchir le pas, de devenir maître de conférence, c'est-à-dire de commencer un travail de thèse, de doctorat. Et je l'ai fait, ce travail de doctorat, dans une grande étude française qui est sûrement connue, c'est Lire et écrire au CP, qui a été dirigée par Roland Guagou. Et donc, dans cette étude, nous avons beaucoup travaillé sur les pratiques des enseignants en classe. Et nous sommes allés les observer pendant 3 semaines dans l'année, au mois de novembre, puis en mars, puis en mai. Et au cours de ces 3 semaines, on a relevé dans leur classe toutes les tâches qu'ils proposaient à leurs élèves dans le domaine de la lecture et de l'écriture. Et nous avons obtenu des résultats sur l'étude que nous avons conduite après avoir donc mis en évidence, au niveau statistique, les effets de certaines pratiques sur les progrès des élèves. Donc après, on pourra revenir éventuellement sur certains de ces effets, mais ce serait trop long de les exposer tout de suite. On peut déjà s'arrêter sur un point, moi, qui m'intéresse énormément, c'est le temps. C'est-à-dire, lire, ce n'est pas seulement l'affaire du CP. Évidemment, ça se prépare auparavant à la maternelle, à travers un enseignement qui est de plus en plus formalisé depuis quelques années. Et puis, c'est apparu dans vos recherches, c'est le temps qu'on y passe dans la journée, avec les élèves, le temps pour pratiquer la lecture qui est extrêmement important et qui fait la différence. Alors effectivement, sur les durées d'enseignement, il y a beaucoup de choses qu'on a découvertes dans cette étude. On sait déjà qu'au niveau des programmes ministériels, on doit faire 10 heures d'enseignement du français au cycle 2, par exemple, CP, CE1, CE2, et qu'en réalité, dans les classes, c'est un petit peu moins, parce que dans ces 10 heures, il y a le temps de récréation, il y a les ruptures entre les moments où on sort d'une activité, on entre dans une autre. Et en réalité, bien sûr, il y a un tout petit peu moins de 10 heures dans les classes. En règle générale, en moyenne plutôt, on peut dire qu'il y a 7h30, un petit peu plus de 7h30, qui est consacré donc à l'enseignement de la lecture et de l'écriture dans les classes de cours préparatoires en France, selon l'étude qu'on a conduite donc, et dont le rapport est paru en 2016. Effectivement, cette notion de durée est très importante. Parce que la durée, pour nous, c'est à la fois la principale ressource des enseignants, mais aussi la principale contrainte. Et donc, avec les programmes scolaires qui sont actuellement en vigueur, avec tout ce que les enseignants doivent faire, ils doivent réfléchir à la meilleure manière d'organiser leur temps pour faire en sorte que les enfants réussissent le mieux leur apprentissage de la lecture. Alors donc, dans cette organisation du temps, forcément, ils peuvent la penser eux-mêmes, mais ils peuvent aussi s'appuyer sur des outils. Et c'est là que ça rejoint les outils qui sont proposés par les éditeurs scolaires, et notamment en cours préparatoire, les méthodes de lecture. Et donc on voit qu'il y a des enseignants qui s'appuient sur des méthodes de lecture, mais il y a des enseignants qui décident de planifier leur temps eux-mêmes. Et donc effectivement, ça peut donner des différences dans les classes, mais ça ne veut pas dire pour autant que parce qu'on suit une méthode ou parce qu'on planifie soi-même le temps d'enseignement, on obtiendra des résultats différents. Et il existe différentes manières de parvenir à un même but. Et il y a des enseignants qui ont très bien réussi à faire apprendre leurs élèves en termes d'efficacité de pratique avec outils ou sans outils. Donc voilà, mais effectivement, la notion de durée est très très importante. Et ce découpage temporel qui s'opère dans les classes
est quelque chose qui demande aux enseignants une grande préparation. On n'en parle pas assez souvent, on regarde souvent les pratiques se dérouler, mais en réalité, la planification du travail est quelque chose de très, très important pour les enseignants. C'est très technique. On pourra continuer tout à l'heure. Non, ce que je veux dire, ce n'est pas votre intervention. En fait, il y a une technicité du métier d'enseignant. Moi, j'ai très bien suivi vos propos. Je pense que ça va, tout le monde y arrive. J'en profite pour dire qu'on vous fera passer le micro à la fin. Évidemment, si vous avez des questions, on sera ravis de vous répondre. Enfin, je crois. Je ne m'avance pas trop. Je voulais, Valérie Pertuis, puisqu'on parlait des manuels de lecture, dire un mot avec vous. Et ça permet aussi de vous entendre et de mieux vous connaître sur leur évolution ces dernières années en fonction des connaissances scientifique et puis aussi le lien que vous faites entre ces manuels et ces livres pour lire, parce qu'on commence à lire, déjà on se fait raconter des histoires bien avant d'entrer en CP et puis ensuite on peut commencer à lire tout seul, mais on y vient dans un instant. Alors oui, en effet, l'acculturation à l'histoire, au livre, au récit commence dès la maternelle en fait. On a beaucoup, nous en tant qu'éditeurs scolaires, on développe des supports justement pour ça. Et sur l'apprentissage de la lecture au CP, je dirais que l'évolution, en tant qu'éditeur scolaire, on suit toujours les programmes scolaires tels que, alors ils sont changés ou pas changés, il y a des réformes parfois et la dernière date de 2015, avec quelques évolutions entre temps, puisque la recherche effectivement a publié, il y a eu un nouveau gouvernement. Il y a eu aussi un conseil scientifique de l'éducation nationale qui a publié des éléments appuyés sur la recherche, le fameux guide orange, en fait, qui est connu aujourd'hui de tous les enseignants. Donc, fort évidemment de toutes ces publications, les éditeurs font évoluer des supports de lecture, des méthodes, des manuels, et proposent effectivement des méthodes pédagogiques pour les enseignants qu'ils suivent plus ou moins, comment dire, avec la liberté aussi pédagogique dont ils savent faire preuve pour eux-mêmes. Oui, puisqu'on a entendu, c'est ce que disait cette étude et ce qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, qu'un certain nombre d'enseignants se passent de manuels. Pour le dire très clairement, même si beaucoup de gens qui nous écoutent sont familiers du sujet, on est allé vers une méthode syllabique qui était déjà de toute façon la méthode totalement dominante. La méthode globale, ça fait longtemps qu'elle n'est plus appliquée, mais on pouvait avoir des mots outils. L'équilibre dépendait un petit peu des manuels. Donc un mot outil, c'est un mot qu'on apprend à lire tout de suite, même s'il est compliqué pour pouvoir lire des texte. Bon, là, on est arrivé à l'idée que plus c'était syllabique, plus le pas à pas était assuré dans les premières semaines, meilleur. Enfin, je répète un peu ce que dit le guide orange, c'est pas forcément mon opinion, mais plus aisé serait la lecture et plus rapidement l'élève pourrait lire de courts textes. Voilà. Plus le décodage. Le décodage pour parler avec les bons termes. Voilà. Après la lecture, c'est aussi autre chose, c'est la compréhension en lecture, et donc c'est notamment pour les élèves de CP la possibilité d'être mis en écoute de textes et questionné par rapport à ces textes. Et cette compréhension orale, en fait, qui commence par l'oral, s'ils sont pas suffisamment bons décodeurs pour aller vers donc nous chez Atien, on travaille avec Maryse Bianco sur la compréhension des textes, justement sur les stratégies de compréhension de textes à développer dès les débuts en lecture. On s'aperçoit quand même que ce plaisir de lire peut, même si l'élève n'est pas encore apte à décoder des textes longs et riches de sens, on va dire. Eh bien, ça entretient cette espèce de projet de lecteur dans lequel il se lance dès le début de sa scolarité à l'école élémentaire. La motivation, pour le dire autrement, Hélène Kérilis, pour lire, pour pouvoir lire, il faut pouvoir avoir des textes qui nous intéressent à lire. Ça marche pour moi, ça marche aussi quand on a 6 ans et demi, quand on est en CP et en CE1. Quel était votre projet à travers, par exemple, les livres Ma première mythologie, qui s'adresse vraiment aux tout jeunes lecteurs? Et j'ajoute toujours
une petite question. Quelle est l'importance à vos yeux du vocabulaire ? Parce que quand on apprend à lire, on apprend des nouveaux mots. Il faut aussi avoir un certain nombre de mots dans sa réserve intérieure pour arriver voilà, à apprécier les textes. Mais c'est aussi en lisant qu'on en apprend. Oui, tout à fait. Je pense que la première chose que je pourrais dire, c'est que Nantine Houston a écrit un livre qui s'appelle « L'espèce fabulatrice ». Nous sommes l'espèce fabulatrice. Nous avons besoin d'histoire pour nous construire. Et ça, ça commence quasiment dès le berceau. Donc, pour qu'un enfant trouve du plaisir à lire, pas seulement à écouter, mais à lire, il faut qu'il ait des histoires intéressantes, des histoires qui l'accrochent. Il faut en quelque sorte l'hameçonner dès le départ pour que ça marche. Et l'hameçonner dès le départ, question de vocabulaire, eh bien justement, c'est de commencer par des phrases courtes, des mots simples, pour que l'enfant rentre comme dans du beurre, en quelque sorte, dans l'aventure. Et une fois qu'il est hameçonné, c'est vrai qu'on va pouvoir lui proposer des phrases un peu plus longues, des constructions un peu plus complexes, du vocabulaire un peu plus complet. Mais commencer par des phrases courtes, des mots simples, mais en démarrant une histoire qui prend le lecteur, ça veut dire qu'entre chaque phrase, l'enfant va pouvoir en quelque sorte reposer ses neurones, se dire « ça y est, je l'ai compris, je peux aller à la phrase suivante ». Et au fur et à mesure qu'il découvre ces phrases simples, qu'il les comprend et qu'il commence à construire l'histoire dans sa tête, il respire entre chaque, ses neurones se reposent en quelque sorte, il a le temps de rentrer l'information et après il est plus apte à commencer une phrase un petit peu plus longue et de remettre de temps en temps dans le récit des phrases courtes, à chaque fois pour un enfant qui a du mal à lire, voir que la phrase, parce qu'il le voit visuellement, que la phrase est courte, et ben pour lui c'est un bonheur. Il se dit « Ah !» Là, je n'ai pas une phrase trop longue à lire, je vais pouvoir comprendre. Donc, il se repose sur cette phrase plus courte, à la fois pour le décodage et la compréhension. Et ensuite, il a à nouveau ses neurones disponibles, en quelque sorte, pour faire le bond dans une nouvelle phrase qui sera plus longue. Donc voilà, ça, je fais très attention lorsque j'écris pour la première mythologie qui s'adresse à deux enfants de 6, 7, 8 ans. Je fais très attention à ça, rendre la lecture ennuyeuse, bien sûr, pas trop simple. Mais je me dis, j'essaye de me mettre dans la peau d'un enfant qui a du mal à lire. Et je me dis, là, est-ce qu'il ne va pas décrocher ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il ne décroche pas ? Parce que si on veut qu'il ait accès ensuite à des problèmes moraux, psychologiques, sociologiques, etc., bon, il y a des tas de choses à tous les niveaux. Dès 5 ans, on peut se poser des questions comme ça. Ben, il ne faut pas qu'il lâche le bouquin. Donc, il faut d'abord que le premier but qu'on se donne, c'est je veux que l'enfant lise le bouquin jusqu'au bout. Et pour ça, ben, il faut toutes ces petites techniques. Je garde une petite question sur le rythme pour Jérôme Rioux, mais j'ai quand même envie de vous poser tout de suite une autre question sur les thèmes, parce que vous dites des grands thèmes moraux, évidemment la mythologie, ça c'est efficace aussi pour donner du plaisir de lire, de mettre de l'enjeu dans les histoires. Je pense que pour qu'un enfant s'intéresse à une histoire, il faut que ça le touche d'une manière ou d'une autre. Et ces grands thèmes mythologiques touchent les enfants parce qu'il y a, par exemple, des notions de jalousie. Il y a toujours, dans les cours d'école, dans les familles, des jalousies entre enfants. Il y a des questions d'amitié, de solidarité. Et on retrouve ça, nous, dans notre vie quotidienne. Donc, je pense que ces mythes sont encore valables de nos jours, si je puis dire. Tout simplement parce qu'ils nous interrogent en tant qu'être humain global depuis la naissance des êtres humains. Et on peut les relire avec notre sensibilité du 21e siècle et y trouver, y puiser toutes sortes de leçons qui nous aident à vivre. Et c'est le cas aussi pour les enfants. Dans ces mythes, on trouve tout ça. Alors Jérôme Rioux, sur à la fois peut-être le fond aussi, mais cette forme assez subtile, là aussi, c'est un peu technique, évidemment, on a tout compris, mais le rythme des phrases longues, des phrases courtes, pour donner du plaisir dans une certaine aisance accessible.
Oui, c'est une question qui est un peu compliquée, peut-être, en tout cas pour y répondre rapidement, parce que moi, je sens derrière tout ça qu'il y a des enjeux pédagogiques et didactiques très forts. Et ils sont certainement très nombreux aussi. Donc, derrière, il y a sûrement l'enjeu didactique et ou pédagogique, appelons-le comme on veut, peu importe, qui consiste à proposer aux élèves des textes qui soient riches sur le plan du sens et qui ne soient pas des pseudo-textes. Et donc, ça, c'est un enjeu assez fort pour une grande partie des enseignants, que de faire en sorte que les supports qu'ils utilisent pour enseigner la lecture soient des supports quelquefois issus de la littérature de jeunesse, pas spécialement produits pour l'enseignement de la lecture ou produits, mais avec la visée d'enseignement en conservant l'aspect littérature de jeunesse. Donc, il y a ça. Il y a l'idée qu'il y a ces phrases qui pourraient être au début simples et puis d'autres qui pourraient se complexifier par la suite. Alors, est-ce que c'est l'histoire d'un livre ou est-ce que c'est l'histoire d'une progression sur un emprunt temporel qui est plus long ? J'opterai pour l'instant pour la deuxième option, c'est-à-dire qu'à mon avis, la progressivité peut se faire sur plusieurs livres peut-être. Donc, c'est plutôt dans le choix d'un livre que les enseignants vont percevoir si les tournures syntaxiques, les structures, le vocabulaire qui est utilisé, la thématique qui est utilisée va correspondre au niveau des élèves qui est le leur au moment où ils enseignent. Et peut-être que sur un autre livre après, ils vont se dire, celui-ci maintenant est plus adapté à mes élèves parce qu'ils ont lu un premier livre et qu'ils sont arrivés à le faire assez facilement. Donc il y a l'histoire de l'empan temporel aussi. Et puis, il y a sûrement, pour des niveaux qui sont des niveaux où les enfants apprennent à lire de manière autonome, bien cet enjeu qui consiste à dire, mais finalement, qu'est-ce qu'ils doivent maîtriser du texte qui leur est proposé pour pouvoir faire cette lecture autonome. Donc, vous voyez, ça dépend peut-être de plusieurs livres, ça dépend de la temporalité, ça dépend du niveau de scolarité. Et puis, comme on est dans un continuum des apprentissages, effectivement, est-ce qu'on a des livres uniquement pour comprendre au début ce qui se passe à l'école maternelle ? Tout à l'heure, c'est allé un peu vite, mais peut-être que de penser qu'on démarre par la correspondance graphème-phonème avant d'aller vers la compréhension, ce n'est pas la logique de l'école. La logique de l'école, c'est de dire que tout petit à l'école maternelle, on va lire des livres aux élèves et qui sont quelquefois plus complexes que ceux qu'ils vont lire seuls quand ils vont rentrer au CP. Et donc cette logique de d'abord le décodage, puis la compréhension, elle ne tient pas à l'école parce que c'est d'abord la compréhension, puis le décodage et la compréhension. Et comment est-ce que les enseignants vont pouvoir jouer avec tout ça et alterner tout ça, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de leur découpage temporel. Qu'est-ce que je peux faire avec mes élèves, dans quelle situation, combien j'y consacre de temps pour faire en sorte qu'ils soient les plus performants en lecture. Donc voilà, je suis peut-être pris un peu de recul par rapport à ça, j'ai peut-être pas répondu tout à fait à la question, mais en tout cas, pour moi, il y a plein d'enjeux à tous les niveaux que je viens de citer là. Ce qui m'intéressait, c'était le rythme aussi. Votre réponse était très intéressante d'ailleurs, mais le rythme du texte, c'est-à-dire des phrases plus difficiles, des phrases plus faciles, pour en quelque sorte reprendre son élan, son souffle en tant que tout jeune lecteur. Quand même, à condition que ça corresponde à un mouvement dans la signification du texte. Dans la cohérence de l'histoire. Je ne vais pas faire des phrases courtes ou des phrases longues juste parce qu'il faut faire des phrases courtes ou des phrases longues. Il faut que ça s'adapte à ce qu'on a à raconter, naturellement. Ce n'est pas systématique. Mais cette variété, elle est possible pour rendre les choses plus faciles. Je fais attention à cette variété pour rendre les choses plus faciles, mais sans sacrifier le sens. Ça, c'est primordial. C'est bien de le repréciser. C'est-à-dire que la logique de phrases courtes et phrases plus longues, elle ne tient pas forcément quand on écrit tout le temps. C'est peut-être un choix d'écriture à certains moments quand on sent que c'est possible, mais est-ce que c'est tenable tout au long du récit ? C'est pas sûr. Et en fait, tous les auteurs ne fonctionnent certainement pas selon ce principe-là. Et donc, on se retrouve confronté à des textes issus de littérature de jeunesse qui ont vraiment des formes très variées. Quelquefois, c'est souvent la thématique qui est privilégiée, les émotions, etc. Et il y a peut-être que les textes qu'on veut faire ressembler à des textes de littérature de jeunesse, mais qu'on adapte pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture, qui, eux, ont des formes particulières. Ça existe. Céline Alvarez, par exemple, je ne sais même pas plus chez quel éditeur c'est, a publié des contes avec des mots en rouge, en vert, pour simplifier l'accès à la lecture. Mais c'est vrai que du côté de l'édition jeunesse, on est tout à fait frappé par ce qu'on peut lire à ses enfants, qui est d'une richesse infinie. Il y a vraiment tout, des histoires avec des enjeux très forts et un grand plaisir
à partager ses lectures à la maison et puis à l'école, surtout en groupe avec les uns et les autres, à en parler. Finalement, est-ce qu'on peut retrouver ce plaisir si intense ? D'ailleurs, lire, en fait, lire à voix haute, ça continue même au collège. Serge Boismard, le psychologue, lit la mythologie à des élèves de 6e pour les motiver dans leurs apprentissages. Est-ce que ce plaisir peut se retrouver dans les premières lectures et même les manuels ? Alors, oui, enfin, je l'espère. Et comment on fait ? Et on en a des témoignages, puisque, évidemment, on regarde comment nos manuels sont utilisés et comment les enseignants s'en emparent. C'est dans le choix des textes, notamment dans les manuels de français, que ce soit, mais même sur la lecture, là je pensais en vous écoutant, aux albums que nous avions choisis pour une méthode de lecture qui s'appelle Ribambelle, hein, les premiers albums dans lesquels est plongé justement l'enfant, J'ai rêvé que, Une mamie en or, des textes qui va pouvoir décoder lui en fait, au fur et à mesure de son apprentissage, mais surtout qui l'engage, hein, enfin, dans lequel il y a un affect assez important. Et ça, c'est le début effectivement du parcours. L'affect important, il peut être aussi dans le choix de certains textes dans lesquels les enfants vont pouvoir se transférer davantage. Pour, par exemple, enfin, j'ai un autre exemple. On a des objets d'études en CM1, CM2 comme héros et héroïnes. Et pour notamment que cet objet d'étude soit concret par rapport à des lectures, on a fait des choix de littérature jeunesse dans lesquels, en fait, ce sont des récits historiques, mais le héros et les héroïnes sont des enfants. C'est-à-dire que c'est aussi une manière, je pense, de les engager clairement dans le plaisir, dans le transfert, dans le plaisir. Et je rejoins Hélène Kérilis qui disait qu'effectivement, les états émotionnels ou les dilemmes moraux, les enfants aiment beaucoup la mythologie. En fait, ce sont des choses qu'on met aussi dans nos manuels scolaires. D'abord parce que ça forge le débat. Enfin, c'est la lecture qui permet aussi aux enseignants de faire circuler la parole sur du débat, de l'interprétation, du comment j'aurais fait. On va un peu au-delà de la lecture seule. Là, en fait, tout au long de la scolarité, au primaire, on va faire en sorte que les enfants, effectivement, aillent vers une lecture partagée, en fait. La lecture à voix haute, qui est entraînée, certes, mais une lecture partagée, voire jouée dans les dialogues. Il y a des modalités, des activités vraiment d'une variété folle que les enseignants peuvent mettre en place dans les classes qui donnent du plaisir aux enfants. Donner du plaisir et du sens à la lecture. Et finalement, cette question de sens, elle m'a énormément interrogée en préparant cette table ronde. En fait, l'après-midi est intitulé « La lecture et la réussite des enfants ». Et je pense que nous avons un rapport assez ambivalent à la lecture. On l'a dit, bien lire tôt, c'est la garantie de réussir ses études et peut-être sa vie. Quels enjeux. En même temps, finalement, le plaisir, là, est relativement... Enfin, s'éloigne un petit peu. Et si la lecture est un enjeu purement scolaire, est-ce que le plaisir ne peut pas se retrouver un peu oublié ? Je ne dis pas que c'est ce que vous avez fait dans les classes où vous étiez, mais dans ce qu'on observe aussi, dans ce qui est fait, est-ce que ce sens, finalement, il est si clair pour les adultes ? Parce que si on lit pour être un bon élève, est-ce qu'on ne risque pas de se limiter dans sa pratique et peut-être de laisser tomber si on voit que ça ne marche pas bien. En tout cas, à l'école, il est évident que les enseignants doivent faire avec un compromis tout le temps entre ce qui relève du didactique et du pédagogique et ce qui peut relever plus du plaisir, de la motivation, de l'envie de lire. Donc ça, à l'école, forcément, il faut le gérer. Il faut le gérer en prenant des décisions, en faisant des choix. Et quelquefois, ce sont des choix qui sont difficiles pour les enseignants entre des textes qu'on aimerait bien proposer aux élèves, mais pour lesquels on estime que le niveau est trop élevé pour eux pour l'instant, et puis d'autres qui nous paraissent moins porteurs, moins motivants, qui vont moins stimuler peut-être l'envie de lire chez les enfants, mais qui correspondent davantage
aux objectifs qu'on vise pour eux, aux buts qu'on souhaite qu'ils atteignent dans un futur relativement proche. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué à gérer, probablement pour tous les enseignants qui aimeraient pouvoir développer les deux en même temps et trouver des situations qui soient favorables à ça. Et pour eux, ça pose la question vraiment des supports d'enseignement. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut complètement détacher la partie compréhension de la partie déchiffrage et décodage? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Il y a eu plusieurs recherches qui ont été conduites à ce sujet, certaines disant que oui, il fallait qu'on ait des supports très différents pour justement qu'on ait d'un côté des textes très très riches qui donnent envie de lire, qui donnent du plaisir, qui fassent travailler sur les émotions, etc., sur les états mentaux des personnages, et puis d'un autre côté, des textes peut-être moins riches, mais sur lesquels on puisse s'entraîner à décoder, à déchiffrer. Je ne suis pas sûr qu'on ait résolu ce problème jusque-là. Peut-être que dans certaines méthodes de lecture, le choix a été fait déjà. Quand on regarde les méthodes de lecture, on voit qu'il y a des parties prises par rapport à ça. Mais pour d'autres, ça reste un peu encore compliqué et on se pose beaucoup de questions à ce sujet. Ce n'était pas tout à fait la question que je posais, parce qu'être mis en échec par rapport à la lecture assez tôt, c'est aussi être potentiellement mis en échec dans sa scolarité future. C'est quelque chose qui pèse très lourd pour les enfants, mais pour leurs parents, sans savoir très bien si la lecture, c'est pas juste quelque chose qui sanctionne une forme de succès scolaire, alors que bah, on nous dit aussi oui, on lit par plaisir, pour lire pour soi, c'est super. Finalement, si on a des mauvaises notes et qu'on lit mal, voilà, ça, on reste dans quelque chose qui finalement stérilise le sens de la lecture, au fond. Oui, effectivement, mais en fait, à l'école, en tout cas, on a besoin d'évaluer des choses, donc on ne peut pas se passer de cette évaluation de ce qu'on appelle les compétences qu'il faut maîtriser à tel et tel niveau. Alors, je serais un petit peu, comment dire, pondéré sur le fait que si ça ne se passe pas très tôt, ça ne se passe pas, parce que vous avez vu dans la présentation de Grégoire Borst, c'est une évolution continue dans l'apprentissage, y a pas, ça ne s'arrête pas à 7 ans quand on a passé le CP, on continue d'apprendre à lire aussi après, et donc, effectivement, c'est vrai qu'on est obligé d'évaluer ces compétences. Alors peut-être qu'on peut le faire sans que ça apparaisse comme une sanction. C'est-à-dire qu'on peut le faire en évaluant au quotidien les niveaux de lecture des enfants, faire attention à certaines injonctions, par exemple, qui nous demandent de faire lire les enfants très vite, comme si c'était un but à atteindre. On est en train de réfléchir quand même à l'idée que la lecture, ce n'est pas que la vitesse, c'est l'intonation, c'est le phrasé. Donc il y a quelque chose derrière qui peut-être est à rechercher, qui rend la lecture plus acceptable pour les enfants. Et on n'est pas dans un chronométrage avec, à la fin, une sanction qui va tomber. Enfin, ça, c'est les évaluations, puisque c'est le nombre de mots par minute, les évaluations actuelles. Ben oui, mais peut-être qu'il faut se poser des questions autour de ces évaluations. Il faut peut-être les remettre en question. Je suis d'ailleurs assez contente que vous les posiez, parce que c'est toujours un bon élément apporté au débat. On a changé de ministre, il n'est pas là pour répondre. On verra ce qu'il advient de ces évaluations nationales où on chronomètre aussi la vitesse de la lecture. Parmi d'autres indicateurs, on peut prolonger cette réflexion sur le sens et l'évaluation, puisque finalement, évaluer, c'est aussi sanctionner, souvent, enfin, dans notre culture collective, ça peut être différent. Cette question, est-ce que les éditeurs d'éducation, est-ce qu'on se la pose, par exemple, notre maison d'édition Valérie Pertuis ? Bien sûr qu'on se la pose sur l'évaluation. On a fait une proposition, quand les évaluations sont sorties, d'un livret d'entraînement à la lecture fluide, interprétant la fluidité en lecture, non pas uniquement comme la rapidité, mais justement, comme le dit Jérôme Rioux, mettre le ton à un texte, lui donner du sens dans la lecture, et du coup, peut-être ralentir le débit par rapport justement au sens qu'il a, ce texte, dans les dialogues et dans les jeux. Et en fait, ça, c'était aussi de l'auto-évaluation. C'est-à-dire qu'en fait, on demande aussi aux enfants de se prononcer sur la façon dont eux ont senti qu'ils avaient lu, est-ce qu'ils se sont sentis à l'aise ou pas. Donc il y a des propositions d'évaluation qui sont loin d'être sommatives et purement scorées, entre guillemets.
L'évaluation formative, pour parler en jargon éducatif, que je maîtrise aussi, mais j'évite de trop l'utiliser. Justement, avec vous, Hélène Kérilis, quand vous allez dans les classes, on sort de tout ce qui est évaluation. On est plus dans le plaisir. Vraiment une question toute simple. Comment vous le ressentez, en fait, cette joie? Alors, c'est une chose que j'adore faire. C'est-à-dire que quand je fais des rencontres scolaires, bon, bien sûr, on explique ce que c'est que le métier d'auteur, comment on fait des recherches, comment on fait des brouillons, comment on fabrique un livre, l'imprimeur, etc. Bon. Mais après, la cerise sur le gâteau, en quelque sorte, c'est à la fin, quand les enfants m'ont montré ce qu'ils ont fait, lorsqu'on a échangé sur différents points. À la fin, en général, les enseignants me demandent de lire un extrait de texte ou un texte complet, comme peut-être si on a le temps. On va vous écouter tout à l'heure. Voilà. Et c'est un bonheur pour moi, j'adore faire ça, j'adore lire comme ça. Bon, j'ai fait un petit peu de théâtre, un petit peu de formation sur la voix, donc ça m'aide aussi. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais très peur. Maintenant, ça va, je maîtrise un peu mieux. Mais il faut donner de l'émotion à travers ces lectures. Et c'est vrai qu'on parlait de la vitesse de la lecture, mais je voudrais dire, mais quel poids a le silence quand vous lisez, que vous arrêtez pour mettre en valeur un autre morceau de l'histoire. Ben, ça prend du temps, mais alors, ça donne un autre poids à ce que vous dites ou à ce que vous lisez. Donc, le ton, mettre le ton, prendre le temps, ça me paraît très important. Et lorsque je rentre à la maison et que j'ai des retours des enseignants qui m'ont demandé cette lecture, ils me disent, mais écoutez, depuis que vous êtes partis, ils se sont jetés sur les livres. Mais je me dis, ça y est, j'ai rempli ma mission. Ma mission, c'était ça. C'était qu'ils aient envie de lire, ces enfants. Et surtout, je me dis, si parmi les enfants que j'ai rencontrés, il y en a un seul qui n'aimait pas lire et qui a envie de lire après mon passage, je me dis, là, j'ai gagné. Et ça fait partie, évidemment, du plaisir qu'on peut avoir à l'école, dans les apprentissages autour de la lecture. Ça peut concerner d'autres pans de ce qu'on fait en classe. Je voulais parler justement, à propos d'autres pans, de l'écriture. Parce qu'on apprend aussi à écrire en même temps qu'on apprend à lire. Décodage, encodage, pour parler un peu en jargon. Cet apprentissage, il est très utile, en fait, à l'apprentissage de la lecture. Ça marche ensemble. Comment, enfin, si, je sais que c'est très très long à expliquer, mais si vous pouvez faire un petit résumé ou nous donner deux trois trucs pour comprendre, Jérôme Rieu. Alors, depuis très longtemps dans les programmes, il est écrit plutôt que la lecture et l'écriture sont deux activités indissociables. Et pour l'instant, c'est vrai que dans les classes, on a tendance à les voir quelquefois dissociées. Et donc, on s'interroge beaucoup sur la manière dont on peut travailler pour qu'elles apparaissent plus associées qu'elles le sont actuellement. C'est vrai que là, il faut reprendre un petit peu le fil des apprentissages en se plaçant peut-être à l'école maternelle dans un premier temps, et en se disant que c'est là que les élèves vont faire leurs premières expériences d'écriture. Alors dans l'écriture, il faut quand même dissocier ce qui relève de la calligraphie, la copie, de ce qui relève de ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'encodage, c'est-à-dire ces moments où les enfants vont choisir les graphèmes qu'il va falloir écrire pour que ça corresponde à ce qu'ils ont envie d'écrire ou à ce que le maître ou la maîtresse dicte. Et donc, on peut avoir comme ça, on peut différencier comme ça différentes activités d'écriture. Alors, c'est vrai que celle qui consiste à faire encoder les élèves, autrement dit, à leur faire écrire ce qu'ils ont envie d'écrire ou à les faire écrire sous la dictée, en n'ayant pas sous les yeux ce qu'il faut écrire, sont des activités qui sont très propices à la construction des correspondances graphème-phonème, ce dont Grégoire Borst parlait tout à l'heure. Et peut-être même plus que les activités de lecture. Autrement dit, c'est quand les enfants vont être en situation de chercher par eux-mêmes ce qu'ils ont envie d'écrire, qu'ils vont construire ces liens entre ce qui s'entend et ce qui se voit sur la feuille. Et au-delà de ça, au-delà des correspondances graphèmes-phonèmes, les phonèmes qu'on entend et donc qui se traduisent par des graphèmes qu'on voit, il y a aussi les graphèmes qu'on n'entend pas. Ce sont pas des phonèmes. En français, Dieu sait s'ils sont nombreux. Les lettres muettes. Et donc, du coup, ces lettres muettes, on va pouvoir les interroger en situation d'écriture. On les interroge un peu moins en situation de lecture, sauf si l'enseignant fait un effort particulier pour demander aux élèves d'interroger ces lettres. Quelquefois, dans les méthodes de lecture, on les voit apparaître en gris.
ça signifie à l'élève que ce n'est pas la peine de les lire, elles ne se prononcent pas. Ça peut être utilisé, mais ça peut être dommageable aussi si jamais on ne va interroger la signification de ces lettres. Elles ont des valeurs qui sont différentes de celles des phonèmes, mais elles ont des valeurs lexicales, des valeurs grammaticales, donc on doit pouvoir interroger avec les enfants pour savoir pourquoi elles sont là. Et dans l'activité d'écriture, on va devoir les écrire si on veut écrire de manière normée. Donc ça va demander à l'enfant soit d'interroger, est-ce qu'il y a quelque chose à la fin, parce que dans les mots, il y a quelque chose à la fin, des fois, je sais qu'il y a quelque chose, mais qu'est-ce que ça peut être ? Peut-être chercher des mots de la même famille pour voir si on trouve la lettre qui doit être à la fin. Et donc tout ça, ça permet à l'enfant vraiment de s'intéresser au fonctionnement du système orthographique. Donc dans ce sens-là, parce que ça permet d'enregistrer les correspondances lettres son et parce que ça permet de s'intéresser au fonctionnement du système orthographique, il est très intéressant de démarrer très tôt des activités d'écriture. Ça peut poser problème parce qu'on enseigne au CP de manière systématique les correspondances entre les lettres et les sons et qu'à la maternelle, elles ne sont pas demandées de manière systématique, à être enseignées de manière systématique. Néanmoins, on peut en présenter certaines pour que les enfants comprennent bien ce fonctionnement, le fonctionnement de la langue. Avant d'entrer au CP, il faut que l'enfant ait compris le principe alphabétique, autrement dit que l'oral pouvait être codé à l'écrit et que l'écrit, ça codait de l'oral et qu'il y avait des correspondances entre ce qu'on entend et ce qu'on voit. Et à l'école maternelle, donc on peut accompagner les enfants dans ce travail d'écriture, soit parce qu'on prend des petits groupes et ils vont nous dire ce qu'ils ont envie d'écrire, on peut leur répondre instantanément, ou bien on va créer des référentiels de mots qui vont pouvoir les puiser lorsqu'ils en ont besoin. Et ça demande quand même un temps de travail qui est relativement long, il faut le construire petit à petit, ce référentiel, pour que les enfants puissent aller chercher ce dont ils ont besoin pour écrire. Mais je pense que là, il y a vraiment un enjeu, on a quand même des résultats pour le cours préparatoire, qui montre que les enfants qui sont en capacité donc d'écrire, enfin qu'on fait écrire, pardon, souvent, qu'on fait encoder souvent, obtiennent de très bons résultats à la fois en lecture et en orthographe. Donc il faut écrire. Quid de l'écriture créative qui vient un petit peu après? Je ne sais d'ailleurs pas exactement en quelle classe. C'est le fait de commencer à écrire des petites histoires, petits événements, raconter quelque chose qui s'est passé. Est-ce que c'est important aussi ? Bien sûr, on peut commencer relativement tôt. Il y a des propositions d'écriture sur des qu'on appelle écriture générative, où on propose quand même pour les enfants qui sont assez jeunes un cadre de travail. On ne leur fait pas tout écrire, mais on leur fait modifier des textes et aller chercher des mots qu'ils ont envie d'intégrer dans ces textes-là. Et ça parle bien sûr de la création, puisque les enfants écrivent le texte qu'ils ont envie d'écrire. Mais pour soulager leur tâche, parce que c'est quand même une tâche un peu complexe pour des enfants relativement jeunes, on va les faire écrire à partir d'une trame. Ça peut être une aide. Bien sûr que les enfants qui sont en capacité d'écrire seuls, on va les laisser écrire seuls. Mais pour d'autres qui ont besoin d'être aidés, soit on passe par des trames d'écriture, soit on va stimuler l'écriture en faisant d'abord un travail oral. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire pour que les enfants se rendent compte de ce qui est possible de faire avant qu'on les laisse peut-être écrire seuls si on estime qu'ils ont les outils pour le faire et les capacités pour ne pas être ennuyés par cette tâche qu'on leur demande qui serait trop difficile. Ce serait embêtant qu'ils se retrouvent confrontés à une tâche qu'ils n'arrivent pas à résoudre et pour laquelle on les met en difficulté. Donc à l'école, on essaie toujours de peser ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible. Et bien sûr, dès lors que les enfants peuvent s'exprimer seuls, on les laisse s'exprimer seuls. C'est pour ça qu'on dit que la pédagogie est un art. Je me tourne de nouveau vers vous, Valérie Pertuis, pour parler aussi de ce qu'on sait des pratiques de lecture des enfants. Alors, pas seulement au moment de l'apprentissage de la lecture, plus tard, puisque si on apprend à lire, c'est pour lire dans le temps. Pratiques dont on sait qu'elles sont liées à l'origine sociale, beaucoup, au genre aussi, et que ça change pas tellement. Non, ça change pas tellement. On a eu le résultat d'une étude menée par le CNL et Ipsos en mars cette année, dont Le Monde s'est fait effectivement le relais, qui montre effectivement qu'il y a, 90% des jeunes, on va dire, puisque c'était l'échantillon qui était comme ça, de 7 à 19 ans en fait. Donc c'est très large, hein. 9 sur 10 se disent lecteurs quand même, mais on s'aperçoit qu'il y a un décrochage effectivement à partir du collège, 13-15 ans, ça baisse, et ça baisse particulièrement chez les garçons.
Alors, ça m'a fait penser justement, enfin, ce que Grégoire Borz disait sur l'idée qu'il n'y avait pas de compétences forcément plus de cerveau plus mathématique et de cerveau plus littéraire. Et en même temps, effectivement, on spécialise quand même à partir du lycée, on spécialise beaucoup les élèves. Et voilà. Et moi, je me dis pourquoi pas du français et de la littérature jusque, enfin, obligatoire pour tous, jusqu'en terminale, jusqu'au bac. Enfin, voilà. Bon, enfin, c'est... Mais en envoyant le message qu'on est soit scientifique, soit littéraire, on prive peut-être beaucoup de gens de la lecture. Pourtant, la lecture, on disait, peut réduire les inégalités. Absolument. Donc, c'est un enjeu manifeste. Ça se joue. Avant le collège, on imagine, où les élèves décrochent un peu plus, voilà, sont plus nombreux à lire moins. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles propositions peuvent être faites du côté des éditeurs, côté manuel, côté littérature aussi? Alors, en fait, pour aider, notamment, on propose beaucoup, nous, d'activités de différenciation pour aider les enseignants, justement, à accompagner, en fait... les élèves selon qu'ils ont repéré telle ou telle difficulté. Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais les évaluations nationales donnent aussi des éléments en CP, fin de CP et début de CE1 pour identifier en fait les élèves qui seraient un petit peu plus fragiles. Et là, en fait, il y a des activités justement d'entraînement, individualisées aussi, parce que finalement, il y a ça. Et j'ai envie de dire que l'école ne peut pas tout. L'idée d'associer les parents est importante. C'est pour ça aussi qu'on fait parfois des offres d'albums ou de livrets d'entraînement qui peuvent aller dans les familles et avec des adresses aux familles. C'est-à-dire quelque chose qui permet aux parents de s'impliquer aussi dans le support finalement de l'école. Oui, sachant que l'indice le plus pertinent, en quelque sorte, pour faire lire les enfants, c'est que les parents lisent. Ça reste important. Donc, lisez devant vos enfants. Ouais. et voilà, après, ce n'est pas forcément une pratique qu'on peut forcer quand on l'a pas. Voilà, on peut aussi... essayer de la favoriser autrement avec le collectif. Et je voulais, avant de prendre des questions, finir avec vous sur cette idée, puisqu'on n'a qu'une heure, Hélène Kerilly, sur l'idée, et à mon avis c'est la révolution silencieuse de la lecture, c'est qu'on est passé à une vision beaucoup plus collective de ce que c'était que le plaisir de lire, avec ses auteurs qui se rendent dans les classes, avec des groupes de discussion autour des livres. Ça permet de travailler l'oral en même temps, puisqu'on se parle des histoires, on débat. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai connu, par exemple, élève, et qui me semblait présent dans les précédentes générations, qui aujourd'hui est au service, me semble-t-il, du plaisir de lire. Est-ce que c'est ce que vous expérimentez? Oui, tout à fait. Je pense que une lecture partagée, que ce soit au sein de la famille, par exemple, entre les parents et les enfants, les frères et sœurs, la fratrie, que ce soit entre enfants au collège, que ce soit aussi parce que chaque groupe d'enfants va lire un chapitre et en parler au groupe d'à côté, et ensuite échanger sur ce qu'ils inventent, sur la suite possible, etc. Ou la lecture partagée avec, quand j'interviens, par exemple, dans des classes. Leur intérêt, me semble-t-il, principal, bien sûr, c'est le plaisir, etc., mais leur intérêt principal, c'est l'échange humain. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se parle d'être humain à être humain, et à travers l'analyse que l'on fait ou les réflexions que l'on fait sur ce que l'on a aimé, pas aimé, pourquoi, est-ce qu'on aurait fait telle chose à la place de tel personnage, etc., tout ça, ça permet aux êtres humains de confronter leurs idées, de confronter leurs ressentis, leurs émotions, et donc d'apprendre à vivre aussi en collectivité, d'apprendre à vivre par un échange, et non pas, par exemple, en utilisant ses points, mais en utilisant tout ce qu'on a à partager à partir d'un livre. Donc oui, une lecture partagée, son intérêt par rapport à la lecture solitaire, qui a aussi un intérêt majeur, hein, moi qui suis une grande lectrice, mais avoir une lecture partagée avec d'autres, ça permet aussi de prolonger ce plaisir qu'on a eu avec un échange interhumain. Voilà, c'est ça que je trouve fondamental.
C'est toujours du lien, la lecture. Je crois voilà. Même quand on lit seul, en fait. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des interventions, des idées à nous partager? Ah oui, il faut qu'on vous donne un micro. Oui, alors, j'ai son numéro de portable, je peux le revendre extrêmement cher. Merci. Bonjour. Juste pour rebondir sur ce que disait Madame Kérélis, donc moi je suis chargée des publics scolaires dans une médiathèque dans l'Aude et j'interviens également beaucoup dans les classes et j'ai le même ressenti et on a quand même beaucoup de mal à travailler avec les enseignants parce que il y a des histoires de budget de bus, etc. Donc le rapport là avec le livre, quand des fois on reçoit des classes, on voit des enfants qui ont beaucoup de mal avec ce rapport, on voit qu'ils ne connaissent pas l'objet livre. Donc on fait des visites de classe où on fait la découverte du livre, etc. Et quand ils ont un livre dans les mains, des fois ils peuvent marcher sur les livres, etc., notamment les maternelles. Donc c'est vrai que ce travail, les enseignants ont beaucoup de mal à des fois... faute de budget, etc., de venir dans les médiathèques. Il nous oublie un petit peu, nous, on est quand même médiateurs du livre, et on a décidé, nous, notre collectivité, de se déplacer, notamment après les périodes de confinement, se déplacer beaucoup plus dans les classes en emmenant des malles, etc. Et on travaille avec, par exemple, le prix des incorruptibles, ou les enseignants, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec des CM2, n'ont pas le temps de lire les sélections. Donc, moi, je leur propose de venir lire des extraits d'une sélection. Et c'est vrai que l'enseignant, par exemple, va distribuer la liste de livres après. Et il y a un échange qui se fait. Et les enfants ont vraiment envie parce qu'on les capte comme ça en lisant des petits extraits. Et c'est vraiment là, on est là dans la lecture plaisir. Il faut les hameçonner au départ. Quand on a enclenché le truc, après, ils ont envie. Voilà, donc il faut démarrer par ça. Et donc, il faut démarrer par la lecture plaisir. C'est tout confondu, le fait de comprendre, d'encoder, etc. Et c'est submergé par le plaisir, et à ce moment-là, ça passe tout seul. Ça n'existe pas, hein, les enfants qui n'aiment pas qu'on leur lise des histoires. Enfin, moi, j'en ai jamais rencontré. Mais ça pose la question des inégalités sociaux. Spatiale, parce que évidemment, on n'a pas tous une bibliothèque en bas de chez nous. Et cette question, c'est voilà, une question politique. Bon, le maire est parti. Alors, apparemment, il y a des bibliobus à Toulouse, mais au sein d'un département rural comme le vôtre, ça pose évidemment question. Et ça, mais peut-être que je peux me tourner vers vous, Jérôme Rioux, c'est sur, en fait, ces enfants, parce que c'est pas mal qu'on reparle des inégalités sociales, qui connaissent pas très bien l'objet livre, parce qu'ils n'ont pas de livre chez eux. Moi, récemment, j'avais interviewé je ne sais plus quel était son rôle chez McDonald's. Parfois, on n'a que les livres McDo. D'ailleurs, ils sont faits avec le CNL, le Centre National du Livre. Donc, bon, voilà, mais chez soi. Mais oui, c'est ça un problème. Effectivement, la littératie débute dans les familles. Avant d'être à l'école. Donc la littératie émergente, c'est les familles. Et donc dans les familles, si on a pris l'habitude de lire des histoires, forcément les enfants sont acculturés à ces histoires, aux livres, à l'écrit, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui est écrit, c'est différent du... Le langage écrit est différent du langage oral. Et donc cette acculturation, si elle est faite en amont ou pendant même les premières années de scolarité, forcément les enseignants ont moins à travailler cet aspect. On se retrouve donc dans des classes dans lesquelles on a des enfants qui sont habitués à entendre des histoires lues par les parents, qui sont habitués à manipuler les livres, qui ont compris la fonction de l'écrit, ou les fonctions de l'écrit plutôt, et d'autres enfants pour qui c'est plus compliqué. Et du coup, ça crée forcément au démarrage déjà des différences dans une classe, parce que dans une classe, il n'y a pas un cerveau, mais 25 cerveaux qui travaillent. Et donc, du coup, ça demande des adaptations pour les enseignants à ce public qui est forcément hétérogène. Il est toujours hétérogène, mais quelquefois, l'hétérogénéité est plus grande dans certaines classes que dans d'autres. Et effectivement, ça débute par ça. Voilà, on peut plébisciter, évidemment, les sorties à la bibliothèque. J'en ai fait une jeudi dernier avec des maternelles. Ce n'est pas triste, mais c'est super. Donc, évidemment, pour le plaisir d'être ensemble aussi, mais
Je voulais, et c'était en deux temps ma question, aussi parler des livres dans les classes. Valérie Pertuée, alors vous n'êtes pas responsable personnellement de ça, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour que chaque classe ait sa petite bibliothèque ? Je trouve ça incroyable qu'il y ait des classes où il n'y ait pas de bibliothèque en France, et ça existe. Et moi aussi, je trouve ça incroyable. En fait, il y a quand même beaucoup de bibliothèques de fond de classe, hein, quand même. Je dirais que... Allez, on peut espérer que c'est une majorité. Mais effectivement, il y a un manque budgétaire. Alors, c'est aussi... comment dire une politique d'achat qui va parfois se tourner vers des manuels, vers des outils pédagogiques. Vous savez, en fait, il y a énormément besoin de support pour enseigner à l'école primaire. Pas uniquement d'ouvrages albums, c'est peut-être ce qui va être sacrifié finalement comparé à un besoin de matériel pour manipuler en mathématiques, un besoin manuels scolaires parce qu'il y a une réforme ou une actualisation nécessaire, de fichiers. Le feutre, enfin tout ce qu'on peut avoir dans une classe. Tout, mais... Absolument. Et en fait, voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Effectivement. Non, mais lecture, grande cause nationale. Il y a peut-être un sujet à porter. On a peut-être des oreilles pour entendre cette année si c'est vraiment une grande cause nationale. Eh bien, absolument. Ce sont les communes qui financent effectivement les achats de fournitures scolaires et les ouvrages en font partie. Voilà, il y a ce besoin budgétaire et effectivement peut-être une aide de la part de l'État aux collectivités qui ont déjà, puisque la grande cause est nationale et que voilà. Alors on sait que les grandes causes nationales c'est pas toujours finalement si important que ça, mais on espère plus de livres. Mais voilà. Dans toutes les classes, moi j'avais très peu de livres dans mes classes en élémentaire. Je me souviens. Est-ce qu'il y a une autre intervention? C'est dommage. Bon, oui, Célia. Pour rebondir sur la remarque de madame, il y a peut-être aussi une question du temps de l'enseignant, parce que finalement, ça prend du temps de faire découvrir le livre, et c'est fou quoi, que des enseignants n'aient pas le temps de faire découvrir les livres, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, puisque par ailleurs, on est sur, voilà, il faut apprendre à lire, il faut apprendre à compter, on est dans la performance aussi pour les enseignants, c'est-à-dire qu'il y a un programme à remplir, et comment, voilà, un jour, on pourra aménager du temps pour aller vers le plaisir de la lecture qui passe par la découverte du livre. Donc heureusement que vous êtes là, mais effectivement tous les enseignants ne vont pas, ne font pas des sorties, ne font pas venir. Donc comment on peut réserver du temps aussi à cette découverte tout simplement de plaisir de la lecture ? Ça, je ne sais pas si on a la réponse ici, mais... Mais peut-être aussi par le périscolaire, par exemple, avec une bibliothèque dans les écoles élémentaires. Paris est une ville riche. Il y a des bibliothèques dans les écoles élémentaires, toutes les écoles élémentaire, ça pourrait être également généralisé, puisque là, c'est un endroit de plaisir, on n'a pas de notes, il n'y a pas d'évaluation. Si on veut, on regarde les images, on ne fait que ça. Vraiment plus d'interventions ? On continue. Alors. Du côté de l'édition. Bonjour, j'aimerais bien avoir l'avis de Jérôme Rioux sur les livres audio. Voilà, la place justement de la partie, quand il y a beaucoup de livres audio qui sont en vente. Il y a des coins coûteux dans les écoles aussi, donc quelle est la place justement de ces livres-là sur ce thème-là, c'est-à-dire le plaisir de lire aussi, sur les apprentissages. Voilà. Alors les livres audio, vous dites, ce sont les livres que les enfants peuvent écouter, c'est ça, hein ? Donc du coup, ils ne sont pas en activité, enfin ils peuvent avoir le livre sous les yeux. Ou les podcasts, pardon, je me permets, puisque Radio France, France Inter, ce n'est pas ma chaîne, mais voilà, une collection de livres qui sont aussi proposés en audio, c'est des podcasts. Bon, moi, j'avais le truc avec Marlène Chaubert, là, on tourne la page avec le disque. Mais voilà, ça fait longtemps que ça existe, ça s'est beaucoup développé. Oui. Moi je n'ai pas d'études qui portent là-dessus pour vous dire si ça apporte quelque chose en termes d'efficacité. Sur le plan d'efficacité, je ne sais pas. Par contre, je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant pour les enfants si
ils sont en train d'écouter et qu'en même temps, ils ont le livre sous les yeux, comme par exemple ferait l'adulte lorsqu'il lit devant son enfant et qu'il pointe du doigt les mots. Et on s'aperçoit que son enfant a appris à lire alors qu'on ne lui a jamais enseigné la lecture. On se dit comment il a bien pu faire, mais quand même, il y a une activité sûrement cognitive qui se passe pendant ce temps-là. Il y a quelquefois des questions qui sont posées. Alors là, dans le livre audio, peut-être qu'après, c'est l'enseignant qui peut jouer. « Ah mais maîtresse, ce mot, il se prononce comme ça, tu peux me dire pourquoi ?» Enfin, et à mon avis, c'est très intéressant, effectivement. Alors, à mettre en œuvre dans les classes, ça veut dire pareil, c'est toujours l'histoire du temps. On revient toujours à l'histoire du temps, contraintes et ressources. Ça veut dire que dans la classe, si on met ça en place, il faut qu'on puisse le faire pour tous les élèves. Tous les élèves en bénéficient. Ça veut dire que ce n'est pas ceux qui ont terminé en avance un exercice. Ça veut dire qu'on va, dans sa journée, prévoir un temps pour tous les élèves ou faire une alternance de passage de tous les élèves si on n'a que quelques systèmes audio et qu'on n'en a pas pour tout le monde. Et ça veut dire pour l'enseignant une organisation, une planification avec d'autres activités qui vont être là. Pendant que les enfants font ça, d'autres font ça. Et ça veut dire qu'on n'aura pas toute la classe face à soi à ce moment-là. Et donc, il faut le planifier. Donc tout ça, forcément, ça rentre dans la logique d'organisation du travail de l'enseignant. Et si ça y est, je pense qu'il l'utilise. Hein. Par contre, certains n'en bénéficient peut-être pas dans les classes, je ne sais pas. Alors, je vais faire une réponse pas très scientifique. Je pense que ça doit, c'est sûrement très bien, mais pas au détriment de la lecture incarnée par les parents, des adultes, les enseignants, parce que comme on l'a dit, il y a quelque chose qui se partage vraiment humainement autour de la lecture et quand on lit à des petits-enfants, et pas forcément le sien, il y a vraiment quelque chose qui passe et que cette chaleur humaine qui se fait autour des mots et des textes, et nous sommes des êtres de langage, même si c'est des mots qu'on lit et pas ceux qui sortent de nous, je crois que c'est là que se posent les premiers ferments du plaisir de lire, qui est vraiment aussi un plaisir de l'adresse du texte au lecteur. Et ça s'incarne. Après, super, les livres audio en plus. Mais vraiment, si on peut avoir des gens qui lisent des histoires aux enfants, à l'école, dans les bibliothèques, à la maison, avec la marraine, le parrain, qui on veut, ça, c'est la grande cause aussi à promouvoir. Mais c'est gratuit, il n'y a rien à vendre, donc je ne sais pas si vraiment, ça peut vraiment être plébiscité. Vous voulez rajouter quelque chose ? Le livre audio, en fait, peut aussi avoir l'avantage d'emmener certains élèves qui ont des difficultés de lecture vers une histoire qu'ils n'auraient pas, eux, le temps d'investir, alors que toute la classe le fait. Donc, il peut y avoir quand même aussi des accompagnements différenciés, justement, de ce point de vue-là. Mais je dirais que c'est pas encore très développé dans les classes. C'est plutôt les parents qui sont friands, je dirais, d'enceintes avec des histoires ou des podcasts à faire écouter aux enfants. Alors, peut-être parfois pour avoir la paix, mais peut-être parfois avec une autre intention, plus du plaisir de lire. Mais c'est peut-être mieux que les écrans, qui ne sont pas que délétères, sûrement pas d'ailleurs, parce qu'on peut aussi lire et écrire sur ces supports-là. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non, sur les supports écrans, sur écrire par exemple, sur un clavier, est-ce que c'est intéressant ? Ah ben on est dans la situation d'encodage. À ce moment-là, si c'est un clavier qui nous permet de tout faire, évidemment, c'est intéressant. D'ailleurs, lorsque les enfants sont en difficulté, on leur permet d'utiliser les claviers lorsqu'ils n'arrivent pas à former les lettres correctement. Donc, on passe par cet outil-là. Effectivement, on se retrouve dans la même configuration que lorsqu'on encode. Et donc, c'est très bien pour les enfants pour apprendre aussi. Et ça lève la difficulté du geste graphique pour ceux qui sont en difficulté pour tracer. Donc, oui, pas d'inconvénient. A priori. Après, c'est vrai que si on devait étudier toutes les situations, peut-être que dans certaines, on dirait non, là, il est préférable de faire comme ça que d'utiliser le clavier. Mais c'est comme pour l'audio, quoi. Finalement, on ne peut pas être contre, mais peut-être qu'il y a des organisations spécifiques qui permettent de mieux l'intégrer dans l'enseignement que d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on a utilisé tout le temps imparti. Oui. Malheureusement, je suis plus. Désolée de vous couper. On aimerait si on va avoir droit à la pause, du coup. Et non, je crains qu'on. Merci de votre attention. Merci beaucoup à tous les quatre. Ah, merci beaucoup. Je vous laisse tranquillement regagner votre place. Et donc, mais je vais du coup décider de supprimer effectivement le petit temps de pause et on va enchaîner tout de suite sur notre.
notre nouvel intervenant qui est normalement donc connecté en visio. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à vous, Franck Ramu. Désolé pour ce petit retard de timing. Donc, vous êtes chercheur, directeur de recherche au CNRS et membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Et donc, nous avons le plaisir de vous accueillir pour clôturer un peu, nous aurons une lecture, bien évidemment, à la toute fin de l'après-midi, mais de clôturer un petit peu les réflexions et les échanges de cet après-midi. Alors, avec une thématique, justement, assez large sur l'apprentissage de la lecture, présentation des grands actes de réflexion. Donc, je vous laisse bien volontiers la parole. Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie pour l'invitation. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien, parfait. Ok, parfait. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Oui, j'ai l'impression d'avoir le droit. Voilà, est-ce que là, vous voyez ma diapo en plein écran ? Oui. Bon, formidable, la technique est au rendez-vous. Parfait, et bien alors, donc, je vais commencer. Donc, le plan pour aujourd'hui, c'est de récapituler le plus rapidement possible. D'abord, quels sont les résultats bien établis sur l'enseignement de la lecture ? Se poser la question de est-ce qu'il diffère en France et dans d'autres pays ? Et puis, quelles questions méritent plus de recherche ? Alors, pour commencer, sur le premier point, bon, évidemment, il faut définir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce que lire ? Bon, tout le monde est d'accord pour dire que le but de la lecture, c'est de comprendre ce qui est écrit, hein, ça c'est bien évident. Et par conséquent, le but de l'enseignement de la lecture, ben, c'est de développer chez l'enfant un mécanisme qui produit du sens à partir de l'écrit. Et puis, bien évidemment, comme l'ont dit les précédents intervenants, développer aussi une appétence pour l'écrit et pour la lecture, ça coule de source. Alors, comment est-ce qu'on peut décomposer le problème complexe de la compréhension de texte, la compréhension même d'une phrase qui est relativement simple, comme celle qui est affichée ici, Denise est coincée dans un bouchon et s'inquiète de ce que son patron va dire. C'est une phrase qui est simple, mais qui est finalement pas si simple du tout à comprendre et qui nécessite finalement de plein de mécanismes, de composantes cognitives. Alors on peut les répartir en deux grandes catégories. On a l'habitude de dire que la compréhension de texte, c'est la résultante à la fois de la reconnaissance des mots écrits et de la compréhension orale. Et vous voyez, c'est même formulé dans cette pseudo-équation qui dit que c'est le produit de la reconnaissance des mots écrits et de la compréhension orale. Alors évidemment, c'est une fausse équation, ce n'est pas un vrai résultat mathématique, mais ce signe multiplié est là pour véhiculer l'intuition qui est que si l'un des deux termes est nul, alors le produit est nul. Autrement dit, si on ne comprend pas déjà le langage à l'oral, on n'a aucune chance de le comprendre à l'écrit. Et si on ne sait pas reconnaître les mots écrits, quel que soit son niveau de compréhension orale, on n'arrivera pas à comprendre le texte qu'on lit. Donc, chacune des deux composantes est absolument indispensable. Et puis, évidemment, une fois qu'on a dit ça, on est qu'au début. La reconnaissance des mots écrits, c'est en soi une activité cognitive complexe, et puis la compréhension du langage oral, c'est une activité aussi cognitive tout à fait complexe. Et donc, on peut décomposer chacune de ces compétences en sous-compétences. Donc, par exemple, pour reconnaître les mots écrits, d'abord, il faut être capable de les voir, il faut connaître les lettres et les reconnaître, il faut avoir des habiletés phonologiques, c'est-à-dire connaître les correspondances entre les lettres et les sons, il faut donc être capable de déchiffrer les mots, lettre après lettre, phonème après phonème, et puis être capable de les reconnaître finalement d'une manière fluente, c'est-à-dire en une seule fixation oculaire, on arrive à reconnaître le mot écrit. On a besoin de tout ça pour finalement être un lecteur compétent en reconnaissance des mots écrits. Et du côté de la compréhension orale, c'est pareil, on a besoin de connaître le sens des mots, donc d'avoir du vocabulaire. On a besoin d'avoir des compétences grammaticales, c'est-à-dire être capable de calculer le sens des phrases à partir du sens des mots qui la composent. On a besoin de mémoire de travail verbal qui nous permet, lorsqu'on arrive au bout de la phrase, de se souvenir du début et donc de pouvoir calculer le sens complet. On a besoin d'avoir des connaissances sur le monde, parce que sans ces connaissances, eh bien, on va avoir du mal à interpréter cette phrase. Par exemple, on ne va pas comprendre que Denise est probablement en train de se rendre à son travail en voiture, etc. Parce que rien de tout ceci n'est écrit littéralement dans la phrase. Et on a besoin de capacités d'inférence, parce qu'il y a aussi de l'implicite dans l'écrit. Et donc, si elle s'inquiète de ce que son patron va dire, c'est probablement parce que ce n'est pas la première fois qu'elle va arriver en retard au travail.
Donc la compréhension à l'oral et à l'écrit, c'est à peu près la même chose. On a besoin de toutes ces compétences et on va les appliquer soit au langage qu'on entend à l'oral, soit au langage qu'on entend à l'écrit à partir du moment où on a reconnu les mots écrits. Donc voilà, ce sont tous ces mécanismes finalement que l'enfant doit développer pour devenir un lecteur compétent, plus un petit nombre de mécanismes un peu plus spécifiques au langage écrit, tels que le fait qu'il faut parcourir les lignes de gauche à droite et les pages de haut en bas, et puis un certain nombre de marques grammaticales qui apparaissent à l'écrit alors qu'elles n'existent pas dans le langage oral. Et donc c'est tout ça finalement qu'il va falloir enseigner à l'enfant pour qu'il devienne un lecteur compétent, en plus de lui enseigner l'appétence pour l'écrit. Et pour vous dire qu'on a quand même bien analysé le problème, c'est que quand on arrive à mesurer toutes ces compétences, eh bien on arrive à expliquer à peu près 95% des différences de compétences en compréhension de texte. Donc vraiment, on a bien toutes les clés du problème. Alors après, voilà, on sait ce qu'il faut implanter dans le cerveau de l'élève, mais comment on va s'y prendre? Il y a potentiellement pas mal de manières de s'y prendre. Et on ne va pas forcément passer en revue toutes les méthodes possibles d'enseignement de la lecture, mais on va s'intéresser avant tout à l'évaluation de l'efficacité de différentes méthodes de lecture, parce qu'elles ne se valent pas forcément toutes. On sait qu'on peut enseigner la lecture de différentes méthodes, mais est-ce qu'on peut enseigner la lecture à tous les élèves avec la même facilité et dans le même temps? Ça, ce n'est pas évident. Et donc, l'évaluation de l'efficacité des méthodes d'enseignement de la lecture, la première grande évaluation qui en a été faite, ça a été fait par le National Reading Panel, qui a été formé par le Congrès américain en 1997, et qui a regroupé des scientifiques, des enseignants, différents experts de l'enseignement de la lecture, dans un groupe, de manière à passer en revue tous les résultats des travaux scientifiques sur l'enseignement de la lecture et en faire une synthèse qui a été livrée au Sénat en 2000. Et donc, ce qu'ont fait les membres de ce panel, c'est de passer en revue toutes les études scientifiques sur le sujet, ils en ont repéré 75, qui comparaient différentes méthodes d'enseignement de la lecture et qui regardaient les effets sur les apprentissages des élèves. Et puis voilà, ils ont fait une méta-analyse sur 38 études qui avaient des critères méthodologiques suffisants pour pouvoir le faire. Donc une méta-analyse, ça permet finalement, malgré des études qui peuvent donner des résultats qui vont dans un sens et puis qui vont dans l'autre, et on a l'impression que les recherches se contradisent tout le temps, en fait, il peut quand même, malgré des études contradictoires, il peut quand même y avoir des tendances d'ensemble qui font qu'en moyenne, il y a un résultat qui va émerger. Et la méta-analyse, elle compile les données des différentes études et elle permet d'en extraire finalement le résultat d'ensemble. Et alors, qu'a donné cette synthèse de la littérature du National Reading Panel? Les conclusions qu'ils ont tirées, c'est que pour que les enfants deviennent de bons lecteurs, on doit leur enseigner quatre choses. Premièrement, des capacités de conscience phonémique, c'est-à-dire la capacité à manipuler les sons, les phonèmes qui constituent la langue parlée. Deuxièmement, des capacités phoniques, ce qui est légèrement différent, c'est la compréhension du lien entre les lettres et les sons. Troisièmement, la capacité à lire couramment, avec précision, vitesse et expression. Et enfin, à appliquer des stratégies spécifiques pour améliorer leur compréhension et leur plaisir de lire. Donc voilà, c'est un vaste programme. Ils ont essayé de comparer différentes méthodes qui essayaient d'atteindre ces buts. Et en faisant la typologie des méthodes qu'ils ont rencontrées dans la littérature scientifique, ils sont rendus compte qu'il y en avait en gros deux catégories, les méthodes dites phoniques et les méthodes dites non phoniques. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les méthodes dites phoniques, ce sont celles qui enseignent les correspondances entre les lettres et les sons d'une manière systématique. Alors que les méthodes non phoniques sont un ensemble de méthodes plus hétérogènes qui peuvent inclure des méthodes globales idéo-visuelles, c'est-à-dire qui nécessitent juste la reconnaissance globale du mot, mais qui peut inclure toute une diversité de méthodes qui n'enseignent pas systématiquement toutes les correspondances entre les lettres et les sons. Elles peuvent en enseigner certaines, ou elles peuvent les enseigner au hasard, des rencontres avec les mots, avec les phrases, mais pas d'une manière systématique. Et donc, il y a eu un certain nombre d'études qui ont comparé ces deux catégories de méthodes, 38 on l'a dit, et donc qui ont pu quantifier finalement la différence de résultats de compétences en lecture des élèves selon qu'ils avaient reçu un enseignement selon les méthodes phoniques ou non phoniques. Et donc, ce que va vous montrer ce graphique,
ce sont les différences de score entre les élèves qui ont eu une méthode phonique et les élèves qui ont eu une méthode non phonique. Donc, si vous voyez des scores qui sont supérieurs à zéro, ça veut dire que sur ce critère-là, les méthodes phoniques ont produit un meilleur résultat. Et si vous voyez des scores inférieurs à zéro, ça veut dire que les méthodes non phoniques ont produit un meilleur résultat. Et donc, rapidement, sur la lecture de mots réguliers, les méthodes phoniques ont montré une supériorité. Alors, sur une échelle qui est en écart type, que je ne vais pas vous expliquer, mais une différence de 1, c'est très important. Pour ce qui est de la lecture de mots qui n'existent pas, des pseudomots, les méthodes phoniques sont également supérieures. Bon, on va dire que c'est un petit peu logique, puisque c'est la base de ce qu'enseignent les méthodes phoniques, hein, bien entendu. Mais sur l'orthographe, donc en écriture, là, c'est moins évident de savoir quelle méthode va être la meilleure. Et il se trouve que les méthodes phoniques sont à nouveau supérieures. Sur la capacité de lire à haute voix, les méthodes phoniques sont également supérieures, mais dans une moindre mesure. Et enfin, sur la compréhension de texte, là, c'est intéressant parce que finalement, les partisans des méthodes non phoniques avaient pour argument principal de dire ben, ça permet un accès directement au sens. On ne passe pas par la mécanique un petit peu barbante des correspondances graphème-phonème. On va droit au but, droit au mot, droit au sens, droit au texte. Et donc, ces méthodes non phoniques devraient être supérieures pour ce qui est de comprendre le texte. Mais là aussi, les études scientifiques ont montré que cette hypothèse était fausse. Même pour ce qui est de la compréhension de texte, les méthodes phoniques sont supérieures parce qu'il faut commencer par bien identifier les mots pour pouvoir les comprendre et les mots s'identifient plus facilement quand on a bien acquis les correspondances entre les lettres et les sons. Une autre manière de regarder les mêmes résultats, c'est de se demander si cette différence d'efficacité entre méthode phonique et non phonique diffère selon les catégories d'apprenants. Donc, par exemple, selon que ce sont des élèves tout venants ou que ce sont des élèves qui ont été dépistés en grande section de maternelle comme étant à risque de développer des difficultés ou s'ils ont été détectés comme à risque en CP. Et là, on voit que bon, voilà, pour les élèves tout venants, les méthodes phoniques ont un certain avantage. Mais pour les élèves qui étaient à risque, que ce soit en grande section de maternelle ou en CP, elles ont un avantage encore plus grand. Et donc là aussi, ça va un petit peu à l'encontre de ce que disaient les partisans des méthodes globales ou non phoniques, qui était de dire que c'était que finalement, ils pensaient que les méthodes phoniques étaient des méthodes qui étaient trop systématiques, trop mécaniques, et que ça allait être probablement abordable pour des enfants favorisés, mais que les enfants les plus défavorisés, les plus éloignés du système scolaire, ça serait eux qui seraient les plus largués par les méthodes phoniques, et que finalement, les méthodes non phoniques seraient plus démocratiques, plus accessibles à tous les élèves. Bien là encore, les résultats ont totalement démenti ces hypothèses. Les méthodes les plus démocratiques, les plus accessibles à tous les élèves, ce sont les méthodes phoniques. Et pareil, si on stratifie les élèves entre ceux qui viennent de milieux socio-économiques faibles ou ceux qui viennent de milieux socio-économiques moyens, eh bien là aussi, on voit que les méthodes phoniques bénéficient d'autant plus aux élèves qui viennent de milieux socio-économiques faibles. Donc, ce sont, elles, les méthodes les plus démocratiques, entre guillemets. Donc, voilà pour les résultats du National Reading Panel, qui, je vous l'ai dit, date de l'an 2000, c'est-à-dire il y a déjà 22 ans. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'études qui ont été publiées depuis. Là, je vous montre un tableau qui est extrait du livre de John Hattie, qui date de 2008, donc 8 ans plus tard. Et 8 ans plus tard, vous voyez, il y avait John Hattie a pu compter 425 études qui avait porté sur des comparaisons entre des méthodes phoniques et d'autres méthodes d'enseignement de la lecture. Et ces 425 études avaient déjà, elles avaient impliqué 12 000 élèves et elles avaient déjà fait l'objet de 14 méta-analyses. Et elles montraient un résultat sans ambiguïté, 0,6, c'est-à-dire que les méthodes phoniques étaient supérieures à toutes les autres méthodes auxquelles elles avaient été comparées. En comparaison, les méthodes whole language, donc les méthodes globales, montraient un effet nul par rapport à d'autres méthodes non spécifiées. Donc voilà, avec beaucoup plus d'études, 8 ans plus tard, on a pu confirmer largement les résultats de la synthèse du National Reading Panel. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a encore deux fois plus d'études qui ont été publiées depuis le livre de John Hattie. Et si vous voulez regarder encore une autre source, finalement, de résultats sur la recherche en éducation, vous pouvez consulter cet extraordinaire site de l'Education Endowment Foundation, qui est une fondation britannique, qui à la fois collecte les données scientifiques produites par d'autres, mais qui conduit elle-même ses propres évaluations, et qui, parmi tout un tas d'interventions et de méthodes pédagogiques possibles, a consacré une étude, enfin plutôt une synthèse, à la question des méthodes de lecture.
et qui vous dit que les méthodes de lecture phonique, donc qui enseignent systématiquement les relations entre les lettres et les sons, produisent un avantage par rapport aux autres méthodes de lecture de 4 mois. Ce 4 ici vous dit 4 mois d'avance finalement entre des élèves de CP qui auront appris à lire par une méthode phonique par rapport à des élèves de CP qui auraient appris avec une autre méthode. Donc 4 mois d'avance sur 10 mois de scolarité, vous voyez que c'est un effet très important. Et ces 4 mois d'avance, ben, ils peuvent avoir un impact sur tout le reste de la scolarité. De manière intéressante, ce site vous donne pas seulement la taille, l'impact, si vous voulez, d'une méthode pédagogique particulière, il vous dit aussi à quel point est-ce que ce résultat est fiable, dans le sens où ben, si c'était un résultat qui avait été obtenu juste dans une étude isolée sur 30 élèves, ça ne vaudrait pas grand-chose. Alors que si c'est un résultat qui est basé sur 100 études ou 1000 études, alors c'est un résultat très solide. Et ça vous est montré par les cadenas ici. Il pourrait y avoir 0 cadenas. Ici, il y a 5 cadenas sur 5. Ça vous montre que c'est un résultat extrêmement robuste, qu'il y a des centaines ou des milliers d'études derrière. C'est sans doute un des résultats les plus robustes de toute la recherche en sciences de l'éducation. Et enfin, la dernière chose que ça vous dit ici, la petite livre Sterling, ça vous dit si c'est un type d'intervention qui est très cher. Ce que ça vous dit, comme il y a une livre sterling sur 5, ça vous dit qu'en fait c'est parmi toutes les méthodes pédagogiques ou interventions qu'on peut faire, c'est une qui est vraiment pas très chère. Par exemple, il suffit de choisir un bon manuel de lecture plutôt qu'un mauvais. Ça coûte pas plus cher de choisir un manuel de lecture qui utilise une méthode phonique qu'un manuel de lecture qui utilise une méthode non phonique, mais ça peut produire des effets importants, en tout cas si on suit ce qui est préconisé dans le manuel. A contrario, d'autres interventions comme diviser l'effectif des classes par deux, ben ça demande deux fois plus d'enseignants et deux fois plus de salles de classe, donc ça, c'est très coûteux. Donc ça permet aussi, ce site permet aussi aux décideurs dans le domaine de l'éducation de choisir non seulement des choses qui sont efficaces, mais aussi des choses qui ont un rapport bénéfice-coût intéressant, parce que, évidemment, les moyens ne sont jamais illimités dans le domaine de l'éducation comme dans aucun autre. Donc voilà pour les résultats qui ont été obtenus dans la recherche en éducation au niveau international, c'est-à-dire le plus souvent en langue anglaise, mais pas uniquement en langue anglaise. Et donc évidemment, à ce stade, il y a toujours des gens qui disent « oui, mais en France, c'est différent ». Alors, est-ce que c'est vrai que c'est différent en France ? Bon, d'abord, en France, on a une langue alphabétique comme l'anglais et comme les autres langues européennes. Et en vérité, si on y réfléchit un petit peu, les méthodes phoniques qui se basent sur les correspondances entre les lettres et les sons, elles font l'hypothèse finalement que ces correspondances entre les lettres et les sons sont régulières. Et donc du coup, que quand on les a apprises, ben, finalement, on en retire un avantage énorme qui est de pouvoir déchiffrer tous les mots de la langue. On sait que ça n'est pas totalement vrai, ni en français, ni dans quelques autres langues, et que du coup, quand on est dans une langue à orthographe irrégulière, eh bien ce bénéfice des correspondances entre les lettres et les sons, il est moindre parce qu'il y a pas mal d'exceptions. Mais à ce jeu-là, finalement, l'anglais, c'est la langue la pire. C'est la langue dans laquelle les correspondances entre les lettres et les sons sont les plus irrégulières. Un même graphème, comme le graphème EA, peut être prononcé de 5 manières différentes. Ou un même son, le son I, peut être écrit de 6 ou 7 ou 8 manières différentes. Et donc, ça rend la lecture par déchiffrage particulièrement difficile en anglais. Et malgré tout, c'est la langue dans laquelle il a été montré que les correspondances graphème-phonème sont un enseignement particulièrement efficace. Donc vous voyez, si c'est possible que les méthodes phoniques soient efficaces en anglais, alors c'est a fortiori possible dans toutes les langues qui ont une écriture plus régulière que l'anglais, ce qui est le cas du français, et ce qui est le cas de la plupart des autres langues européennes qui sont bien plus régulières que le français, comme le finnois, l'italien, l'allemand, et dans lesquelles les méthodes phoniques ne sont même pas controversées, on va dire. Bon, et par ailleurs, il y a aussi toujours cette suspicion à l'égard des études dites anglo-saxonnes, comme s'ils faisaient de la science différemment de nous et si le monde était différent chez eux. En fait, bon, d'abord, on est bien obligé parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites en langue française, mais il y en a eu quelques-unes quand même, puisqu'il y a eu une étude belge de Brébant et Gérard il y a déjà 25 ans, et puis deux études de Roland Guagou dans lesquelles il a pu comparer différentes méthodes d'enseignement de la lecture. Et sachez que ces trois études obtiennent exactement les mêmes résultats que les études anglophones et les études obtenues dans les autres pays. Donc on peut juger que c'est regrettable d'avoir
trop peu de recherches sur l'efficacité des méthodes de lecture en France, ça l'est, mais malgré tout, il n'y a pas de raison de penser qu'on devrait obtenir des résultats différents en France. Les quelques données qu'on a sont tout à fait concordantes avec les données internationales. Alors maintenant, je vais aborder peut-être ce qui est... Je fais l'hypothèse que tout ce que j'ai montré jusque-là était quand même largement connu, puisque ça fait quand même 20 ans qu'on en parle. Dans la foulée du National Reading Panel en 2000, il y avait eu aussi en France ce qu'on a appelé l'Observatoire National de la Lecture, dans lequel on avait quelques collègues éminents, qui avaient à la fois repris et synthétisé et communiqué en langue française les résultats du National Reading Panel. Donc ce sont des choses qui sont connues depuis longtemps, qui avaient été reprises dans les programmes langues, etc. Donc, ça fait un moment finalement qu'on le sait que les méthodes phoniques sont supérieures aux autres et que c'est recommandé officiellement dans les programmes, sans forcément que ça ait atteint finalement chaque salle de classe, même si des progrès énormes ont été faits. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, les méthodes phoniques sont supérieures aux méthodes non phoniques, on n'a pas forcément répondu à toutes les questions. Il y a encore pas mal de questions qui pourraient se poser. Donc par exemple, une question qui préoccupe beaucoup finalement le monde francophone, c'est de savoir s'il y a une différence d'efficacité entre les approches synthétiques et les approches analytiques de l'enseignement du déchiffrage. Donc pour expliciter un peu, c'est vrai que là j'ai utilisé que des termes techniques jusqu'à présent. Donc c'est vrai qu'en France on dit toujours syllabique ou global. Le problème c'est que c'est des mots du langage courant, c'est pas des mots scientifiques et ce sont des mots qui sont pas assez précis pour dire de quelle approche il s'agit. Donc je l'ai dit, les approches phoniques, c'est celles qui enseignent systématiquement les relations entre les lettres et les sons. Il y a plusieurs manières d'enseigner ces relations entre les lettres et les sons. On peut le faire en partant des unités élémentaires, les lettres, les phonèmes, comment ils s'associent, comment on peut fusionner des phonèmes en syllabes et comment on peut fusionner des syllabes en mots. Voilà, ça c'est une approche qui part des petites unités et qui construit les grandes. Et c'est ce qu'on appelle une approche synthétique. Et en français, souvent, on parle d'approche syllabique. Les approches syllabiques, ça correspond en gros à ce que dans la recherche, on appelle les approches synthétiques. Donc, des petites unités vers les grandes. Mais on peut aussi enseigner les correspondances entre les lettres et les sons en partant des grandes unités, les mots, et puis en faisant remarquer que dans les mots, il peut y avoir plusieurs syllabes. Donc, dans crocodile, il y a trois syllabes et on peut arriver à les identifier en séparant les différentes syllabes écrites. Et puis, on peut faire remarquer qu'il y a des sons qui se ressemblent dans le même mot. Donc, dans « papa », il y a deux fois la même syllabe. Ça commence deux fois par la même consonne, et puis il y a deux fois la même voyelle. Et puis, on peut arriver à identifier, à séparer les deux syllabes, et puis à identifier au sein de la syllabe la consonne et la voyelle. Donc, il y a moyen d'enseigner les correspondances entre les lettres et les sons en partant des grandes unités et en redescendant, en faisant découvrir les petites unités. C'est ce qu'on appelle une approche analytique. Et donc, dans la mesure où les approches analytiques, alors je ne sais pas comment dans le langage courant ça se traduit, est-ce que ça serait des méthodes mixtes, etc. Bon, on ne va pas s'avancer là-dessus. Mais donc, dans la mesure où ces approches analytiques enseignent systématiquement les relations entre les lettres et les sons, eh bien, a priori, c'est ça qu'on leur demande. Mais quand même, on peut se demander, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux préférer l'une ou l'autre ? Alors, dans la méta-analyse du National Reading Panel, dès l'an 2000, ils avaient essayé de faire cette comparaison. Ils avaient comparé, d'une part, les méthodes synthétiques aux méthodes non phoniques, et d'autre part, les méthodes analytiques aux méthodes non phoniques. Et donc, les méthodes synthétiques étaient supérieures aux méthodes non phoniques, alors sur cette échelle de 0,45, et les méthodes analytiques étaient également supérieures aux méthodes non phoniques à hauteur de 0,34. Et donc la question c'est, est-ce que du coup ça traduit un avantage, une supériorité des méthodes synthétiques sur les méthodes analytiques? Est-ce que ce 0,45 est vraiment supérieur à ce 0,34? Eh bien, dans la méta-analyse du National Reading Panel, la réponse était non, cette différence n'était pas significative. Et donc ce rapport a conclu sur un statu quo, impossibilité de départager finalement l'efficacité des méthodes synthétiques et des méthodes analytiques. Alors depuis, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites, mais pas autant qu'on pourrait l'imaginer, qui ont été faites dans le but de départager ces deux catégories de méthodes et qui ont eu des conclusions diverses. Et on peut dire que, par exemple, cette étude écossaise qui a obtenu des résultats très en faveur des méthodes synthétiques. Mais globalement, on peut dire qu'à travers les études, il y a eu des résultats contradictoires et finalement, on a toujours pas, 20 ans plus tard, réussi à départager les méthodes synthétiques et les méthodes analytiques.
On peut parler de ce qui s'est fait en Angleterre, puisque en 2007, ils ont initié une nouvelle stratégie d'enseignement de la lecture, basée sur des méthodes phoniques synthétiques strictes, hein, donc basée sur l'étude écossaise que je vous ai montrée. Donc, ils ont fait en fait deux réformes. La première, c'était d'avancer d'un an l'enseignement de la lecture, en se disant c'est tellement compliqué en anglais, il faut s'y prendre plus tôt. Donc, ils ont commencé à l'équivalent de la grande section de maternelle. Et deuxièmement, d'imposer le fait que toutes les écoles, pendant les deux premières années d'enseignement de la lecture, elles utilisent une méthode phonétique synthétique stricte, donc vraiment le syllabique de chez syllabique le plus pur et dur possible. Et ils y ont formé massivement les enseignants de GSM et de CP, avec un consultant pour 10 écoles, etc. Et puis, ils ont fait une étude pilote, et après, ils ont lancé le programme, mais comme ils sont malins, les Britanniques, ils veulent toujours évaluer l'efficacité de leur politique publique, contrairement à ce qu'on fait nous en France. Et donc, plutôt que de lancer tout d'un seul coup dans toutes les écoles anglaises, ils ont fait ça en trois vagues sur trois années successives. Et ce qui était intéressant, parce que ça a permis de comparer les résultats des écoles qui ont démarré en premier avec les résultats des écoles qui n'avaient pas encore démarré et donc qui n'avaient pas encore changé de méthode. Et ainsi, ça permet d'évaluer finalement l'efficacité de cette transition. Et donc, je vais passer assez rapidement sur les résultats, mais... ce que ça a montré, c'est que quand on commence par les méthodes phoniques, donc là, à nouveau, c'est la même échelle que je vous ai montrée dans le National Reading Panel. Donc, tout ce qui est positif, c'est à l'avantage des méthodes synthétiques, donc à l'avantage plutôt des écoles qui avaient fait la transition vers les méthodes synthétiques, par rapport à toutes les écoles qui n'avaient pas encore fait la transition et dont on ne sait pas ce qu'elles enseignaient. Peut-être certaines étaient déjà en train d'utiliser des méthodes phoniques synthétiques et certaines ne l'étaient pas. Donc, c'est un effet hétérogène, on va dire. Donc, clairement, un avantage pour les écoles qui étaient passées aux méthodes phoniques synthétiques. Et cet avantage diminue dans le temps, finalement, au fur et à mesure que les autres écoles et que les autres élèves qui n'en bénéficiaient pas, finalement, apprennent aussi à lire, quelle que soit la méthode, et puis passent aux méthodes phoniques synthétiques. Donc, un effet moyen qui diminue avec le temps de manière assez logique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cet effet moyen était plus important chez les élèves allophones. Donc, ceux dont la langue maternelle n'était pas l'anglais, ils ont bénéficié plus que les autres des méthodes phoniques synthétiques. Et ceux qui venaient d'un milieu défavorisé, c'est en gris, ils ont aussi bénéficié plus que les autres des méthodes synthétiques. Donc là, à nouveau, on pourrait dire les méthodes phoniques synthétiques, elles sont plus démocratiques que les méthodes analytiques. Dernière comparaison, ça a eu un effet aussi non seulement sur les compétences en lecture, mais sur les compétences en écriture, c'est le point jaune ici, et même sur les compétences en mathématiques. Pourquoi sur les compétences en mathématiques? Alors évidemment, l'effet est plus faible, mais pourquoi? Ben parce que finalement, quand on apprend à lire plus vite, eh bien, ça libère du temps pour faire autre chose et pour mettre en pratique ses compétences en lecture dans d'autres matières. Donc voilà, c'est pas pour dire que les méthodes phoniques synthétiques sont forcément fondamentalement supérieures aux méthodes phoniques analytiques, parce que ce n'est pas la comparaison qui était faite ici, mais c'est pour dire que ces méthodes phoniques synthétiques ont une efficacité tout à fait probante, y compris dans une langue comme l'anglais, qui est la langue alphabétique qui en profiterait le moins. Du coup, est-ce qu'il faut en déduire qu'on doit imposer une unique méthode de lecture? Ça fait partie des reproches qui ont été faits à ce guide orange qui a été produit par la DGESCO et qui finalement avait fait le choix de préconiser une méthode particulière, ou on va dire non plutôt un éventail de méthodes, mais qui était quand même toute d'inspiration phonique synthétique. Et donc, on peut voir ce guide de deux manières. On peut dire, bah, finalement, la recherche disait a pas montré de différence d'efficacité entre les méthodes synthétiques et analytiques. Donc, on devrait laisser aux enseignants la liberté, le choix entre toutes les méthodes phoniques, qu'elles soient synthétiques ou analytiques ou un mélange entre les deux, du moment qu'elles sont phoniques, qu'elles enseignent toutes les relations entre les lettres et les sons de manière systématique. Alors, il n'y a pas d'efficacité, de différence d'efficacité avérée, donc on doit les laisser libres de leur choix. C'est tout à fait une conclusion qu'on peut tirer de la recherche. Mais par ailleurs, on peut aussi reconnaître au ministère, ou au ministre en l'occurrence, le droit de faire des choix politiques et de dire, ben, dans l'ensemble des méthodes de lecture qui ont une efficacité avérée, les méthodes phoniques, je choisis de préconiser ces méthodes synthétiques parce qu'elles ont une preuve d'efficacité très grande. Et pour les enseignants qui finalement n'ont pas un avis très tranché entre les deux, eh bien, au moins ça fournit un guide clair et précis auquel ils pourront se raccrocher. Voilà, c'est le choix qui a été fait. On peut le discuter, bien entendu. Mais en tout cas, du point de vue de la recherche, ce qu'on peut dire, c'est que
il n'était pas indispensable d'être aussi restrictif dans les méthodes préconisées, mais au moins ce qui était préconisé était conforme avec les résultats de la recherche. Et enfin, je vais aborder un dernier sujet qui est aussi un sujet de recherche, c'est cette question des mots-outils. Donc, il y a beaucoup d'enseignants et de manuels de lecture qui préconisent le fait d'enseigner des mots-outils aux élèves de manière globale. Alors, qu'est-ce que c'est ces mots-outils ? Ce sont souvent des petits mots de fonction qui sont fréquents, qui se retrouvent dans beaucoup de phrases. Et l'idée derrière cette préconisation, c'est que certains de ces mots qui sont très fréquents sont irréguliers. Et du coup, ils ne peuvent pas être déchiffrés très tôt dans l'année, parce que ce sont des exceptions qu'on apprend plus tard dans la séquence des correspondances graphèmes-phonèmes. Or, ce sont des mots qui sont fréquents, qui sont des mots de fonction, et donc qui sont utiles dans beaucoup de phrases. Si on ne les a pas, on est beaucoup plus limité dans le nombre de phrases qu'on peut lire. Donc, peut-être faire apprendre de manière globale un petit nombre de mots-outils, fréquents et très irréguliers, ça pourrait permettre d'introduire plus vite des phrases plus complexes qui ont du sens. Et c'est vrai que pour les enseignants, c'est souvent une préoccupation importante d'exposer les élèves à des textes qui ont un intérêt pour eux. Même si, bon, en fait, les phrases les plus simples qui sont dans les manuels les plus syllabiques suscitent aussi l'intérêt des élèves. Mais voilà, pour ceux qui veulent tout de suite avoir du texte un petit peu plus complexe, ben, ça peut être avantageux d'introduire ces mots-outils. Et donc, comme ils ne sont pas déchiffrables, de les faire apprendre de manière globale. Les arguments contre, ben, du coup, ça brise un petit peu la logique des méthodes phoniques, ça brise la systématicité de l'enseignement des correspondances graphèmes-phonèmes. Et on peut dire que ça accrédite finalement l'idée qu'on peut deviner les mots à leur forme. Et ça, c'est sans doute pas une très bonne idée, parce que justement, on ne peut pas deviner les mots à leur forme. Et donc, on se dit que ça pourrait engendrer des confusions ou des mauvaises habitudes. Donc voilà, si vous demandez leur avis aux gens, vous allez avoir des arguments qui vont dans les deux sens. Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui ont comparé les méthodes avec mots-outils et sans mots-outils ? Oui, il y en a quelques-unes, pas beaucoup. Et ce qu'elles disent, c'est qu'elles n'ont pas trouvé de différence significative d'efficacité entre l'usage des mots-outils et le non-usage des mots-outils. Alors après, je me suis intéressé récemment à ce qu'il en est en France, finalement. Est-ce que les mots-outils sont très enseignés ? Et là, c'est un travail qui a été fait par mes collègues de l'ENS, Paul Gioia et Jérôme Dovio. Et ils ont fait un sondage des enseignants, d'un grand nombre d'enseignants français, sur les manuels de lecture qu'ils utilisent et les méthodes de lecture qu'ils utilisent. Et ils ont trouvé que les 8 manuels de lecture qui étaient les plus utilisés par les enseignants, ils enseignent des mots-outils de manière globale. Donc, c'est quelque chose qui est très largement préconisé à travers les manuels de lecture les plus populaires. Et de facto, 94% des enseignants enseignent un certain nombre de mots-outils. Et alors, ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que vous voyez le nombre de mots-outils qui ont été enseignés par les enseignants jusqu'aux vacances de Noël du CP. D'accord ? Donc, dans les 4 premiers mois de scolarité, combien de mots-outils ont été enseignés de manière globale ? Et donc, ce que vous voyez, c'est que si on totalise les trois colonnes-là, 58% des enseignants ont enseigné au moins 20 mots-outils, et certains même plus de 40 mots-outils. Et là, je dois dire que quand on a vu ce résultat, on s'est un petit peu posé des questions. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'ils enseignent autant de mots-outils ? Là, vraiment, on n'a pas compris le phénomène parce qu'on s'est dit, normalement, cette histoire d'enseigner des mots-outils de manière globale, ça devrait être restreint à un tout petit nombre de mots qui sont à la fois très fréquents et irréguliers. Est-ce qu'il y en a autant que ça ? Alors, du coup, on est allé voir les planches de certains manuels pour voir quels sont les mots-outils qui sont enseignés. Et je dois dire que les bras nous sont un peu tombés parce que là-dedans, il y a des mots-outils qui sont irréguliers, mais il y en a plein qui sont réguliers. Le mot « le », c'est un mot parfaitement déchiffrable qui peut être déchiffré dès la première semaine d'enseignement de la lecture. Pourquoi est-ce qu'on le ferait apprendre de manière globale ? Ça n'a aucun sens. Pareil pour le mot « il », pour le mot « elle », pour le mot « a », pour le mot « du », même « il »,« i », « ya », ça peut être déchiffré sans aucun problème. Tout ceci n'a aucun intérêt à être enseigné de manière globale. Alors, il y en a qui ont intérêt à être enseignés de manière globale. On peut imaginer que des mots comme « sans », comme « dans », comme « c'est », oui, ça, évidemment, ce n'est pas forcément très irrégulier, mais ça nécessite de connaître un certain nombre de graphèmes et puis de règles comme le S muet, etc., qui ne vont être acquis que plus tard dans l'apprentissage. Donc, si on veut les utiliser au début de l'année, oui, ça a un sens de les faire apprendre de manière globale. Mais le, il, elle, a, du, non, ça n'a strictement aucun sens. Donc,
Je vous fais cette observation en passant parce que c'est quelque chose qu'on a découvert récemment. On s'était pas rendu compte que finalement, cette préconisation sur les mots-outils avait été interprétée par beaucoup d'enseignants et par visiblement beaucoup d'auteurs de manuels d'une manière qui nous semble être un petit peu un contresens. Donc voilà, il ne s'agit pas de proscrire l'enseignement des mots-outils, mais de le ramener à ce qu'est sa véritable fonction, c'est-à-dire les mots très fréquents et irréguliers. Donc voilà, pour conclure et résumer ce que je vous ai raconté, dans tout l'éventail des méthodes de lecture possibles, celles qui sont à proscrire, ce sont les méthodes non phoniques, celles qui n'enseignent pas systématiquement les relations entre les lettres et les sons. Parmi celles qui sont phoniques, qui enseignent ces relations entre les lettres et les sons, les correspondances graphèmes-phonèmes, qu'elles soient synthétiques, analytiques ou un mélange des deux, finalement, à ce jour, la recherche n'a pas montré de différence évidente. Et finalement, du coup, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux enseignants sur la base des résultats de la recherche actuelle? Premièrement, je dirais d'arrêter de se tracasser à propos du supposé conflit entre le déchiffrage et la compréhension. Il n'y a pas de conflit entre le déchiffrage et la compréhension. Le déchiffrage, c'est le meilleur moyen d'accéder à la compréhension. Il faut en passer par là. Et à l'idée que le déchiffrage soit rébarbatif pour les élèves. En fait, le déchiffrage est sans doute rébarbatif pour les enseignants, mais pour les élèves, pas du tout. Eux, ils apprennent un code qui leur permet de déchiffrer des messages secrets, et c'est hyper passionnant, même si les phrases paraissent tout à fait simplistes aux enseignants. Donc évidemment, on leur recommande d'utiliser une méthode phonique, donc qui enseigne systématiquement les correspondances graphèmes-phonèmes du français, qu'elle soit synthétique ou analytique, et de préférence qui utilise une progression qui tient compte de la fréquence des graphèmes en français, de manière à enseigner les plus fréquents en premier, parce que ça permet de lire plus de mots tout de suite, et qui tient compte aussi de la régularité de ces correspondances, de manière à enseigner ce qui est régulier avant ce qui est irrégulier. Évidemment, le meilleur moyen de répondre à toutes ces conditions, c'est d'utiliser un manuel ou une méthode structurée qui a vérifié cela. On ne peut pas demander aux enseignants d'être des linguistes et de prendre en compte la fréquence des graphèmes et la régularité des correspondances. Donc, le groupe de travail numéro 3 du Conseil scientifique de l'éducation nationale a écrit un rapport là-dessus qui donne des critères de choix sur les manuels de lecture. Ils méritent d'être consultés. Et puis, pour ce qui est d'enseigner des mots-outils, on peut laisser les enseignants libres de ce choix. C'est un choix possible, mais en fait, il n'est pas du tout indispensable puisque les méthodes sans mots-outils produisent des effets aussi bons. Et en tout cas, si on choisit d'utiliser, d'enseigner des mots-outils, il faut savoir que ça n'est utile que pour les mots fréquents qui sont indéchiffrables au stade dans l'année où on a envie de les faire utiliser par les enfants. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Dès le début du CP, c'est intéressant de pouvoir évaluer les prérequis cognitifs de la lecture, c'est-à-dire de dépister les élèves qui n'ont pas ces prérequis cognitifs, comme la conscience phonologique et le vocabulaire. Et pour ça, on leur a fourni les évaluations nationales de début CP qui leur permet précisément de détecter les élèves qui n'ont pas ces prérequis et du coup d'intervenir de manière prioritaire en faveur de ces élèves en développant ces compétences en fonction des besoins, que ce soit la connaissance des lettres, la conscience phonologique, le vocabulaire ou la compréhension orale. Toutes ces compétences sont nécessaires pour démarrer l'apprentissage de la lecture. Et puis à la mi-CP, il faut absolument repérer les élèves en difficulté d'apprentissage de la lecture. Donc là, vous savez, vous avez les évaluations nationales repères qui ont lieu fin janvier et qui sont très importantes parce que dès 4 ou 5 mois d'enseignement de la lecture, il y a des élèves qui ne sont pas rentrés là-dedans, qui n'ont pas progressé autant que les autres. Et il ne faut pas dire ça viendra et on va attendre encore un an. Non, il faut rattraper ces retards le plus vite possible en leur offrant en gros le même type de méthode de lecture, phonique, mais encore plus systématique, plus intensif et plus explicite. C'est ça qui a fait ses preuves pour ces élèves en retard d'apprentissage de la lecture. Et puis évidemment, j'ai parlé essentiellement du déchiffrage des mots, mais vous vous souvenez, ça n'est qu'une des deux composantes de la compréhension du langage écrit. Et donc, en parallèle et à la suite de l'apprentissage du déchiffrage des mots, il est important aussi de développer l'affluence de lecture, donc la capacité à reconnaître les mots rapidement et de manière précise, et aussi enseigner des stratégies de compréhension en lecture. Il ne faut pas imaginer que la compréhension, c'est quelque chose qui vient de manière magique, mais ça s'enseigne, il y a des stratégies qu'il faut enseigner de manière explicite. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez lire une vidéo plus complète qui reprend tous ces éléments, et même, je crois que c'est disponible sur Magister. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Franck Maramu, pour tout,
tous ces éléments, et notamment les références internationales qui sont toujours très utiles, comme vous l'avez rappelé, et puis les conclusions et les pistes données aux enseignants. Est-ce que vous êtes toujours là ? Oui, ça y est, on vous voit. Oui. Je vais me permettre de vous garder juste quelques instants, si vous avez encore le temps, pour proposer une ou deux questions à la salle. Oui. Je passe le micro. Oui, bonjour, Monsieur Ramu. Je suis Jérôme Rioux, donc maître de conférence à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. J'aurais une question, peut-être avant la question. Merci d'abord pour votre exposé. Et puis ensuite, j'aimerais revenir un petit peu sur le début. Vous avez beaucoup parlé de la différence entre les méthodes qui proposaient Phonics Instruction, donc un enseignement des correspondances graphèmes-phonèmes avec les autres. Et vous avez raison probablement de dire que cette étude est un peu ancienne, parce qu'effectivement, dans les classes de cours préparatoires aujourd'hui, on ne retrouve plus de classes qui n'enseignent pas les correspondances graphèmes-phonèmes. En tout cas, dans l'étude que nous avons conduite avec Roland Guagou, il n'avait pas de classe qui ne les enseignait pas de manière explicite et systématique. J'ai trouvé très intéressant, après le travail les éléments que vous avez apportés sur les méthodes synthétiques et analytiques. J'avais une question autour de ces méthodes analytiques. Dans les études que vous avez exposées, est-ce que vous savez si ces méthodes sont analytiques strictes ou si c'est un mélange d'analytique et de synthétique ? Et peut-être pour alimenter la réflexion aussi, je me posais la question, dans la méthode qui est synthétique stricte, que vous avez décrite comme ça en tout cas, on a une étude récente de Pricemore et Price donc en Angleterre, qui indique que si on propose des mots entièrement déchiffrables aux élèves, alors ça pénalise leurs apprentissages en compréhension. Et j'aimerais avoir aussi votre avis là-dessus par rapport à la proposition peut-être orientée vers une méthode syllabique stricte. Ok, alors, il y a plusieurs points là-dedans. Donc, sur les méthodes analytiques qui ont fait l'objet des études que j'ai montrées, on ne peut pas dire de généralité, parce que toutes les études sont différentes. Elles ont comparé des méthodes phoniques ou des méthodes synthétiques à des méthodes analytiques variées. Je ne sais même pas ce que ça veut dire analytique strict. Oui, si je peux imaginer, mais donc, non, je ne sais pas, il faut regarder les études précises. Je ne saurais pas vous dire à quel point les méthodes analytiques étudiées étaient strictes. Sur la dernière étude que vous mentionnez, je n'en ai pas connaissance. Je suis un petit peu étonné du résultat, mais je serais intéressé de l'examiner pour voir les résultats. Et sur le premier point que vous souleviez, disons, moi-même, je suis convaincu que la plupart des enseignants enseignent les correspondances graphèmes-phonèmes au CP, il n'y a à peu près aucun doute là-dessus. Après, est-ce qu'ils enseignent tous ces correspondances graphèmes-phonèmes d'une manière véritablement systématique ? Est-ce qu'ils les enseignent tous dans l'année du CP ? Je demande à voir. Je ne suis pas convaincu. Je sais qu'il y a une extrême hétérogénéité finalement de ce qui se passe dans les classes. D'ailleurs, vous l'avez vous-même documenté. Vous avez aussi documenté qu'il y a une énorme hétérogénéité dans le rythme d'introduction des correspondances graphèmes-phonèmes et le fait qu'un rythme plus soutenu était en fait plus avantageux pour les élèves. Donc voilà, même si je suis conscient que de dire qu'il faut enseigner les correspondances graphèmes-phonèmes, ce n'est pas un scoop aujourd'hui en 2022 pour les enseignants, malgré tout, je pense qu'il y a encore sans doute pas mal de marge de progression dans la mise en œuvre spécifique des méthodes phoniques. Dans beaucoup de classes. Je vous remercie. Merci pour les réponses. Et peut-être que l'étude, vous la retrouverez, c'est Pricemore et Price, donc 2020 ou 2021. Donc, une étude anglaise. Merci, je le note. Merci. Y a-t-il une deuxième question ou est-ce qu'on arrête là pour cet après-midi ? Je vais vous remercier une nouvelle fois pour avoir accepté notre invitation et à très bientôt certainement pour continuer ces échanges autour de l'apprentissage de la lecture. Merci beaucoup Franck Ramu. Merci à vous, à bientôt. Alors, à vous derrière votre écran et ici sur place, mais c'est plus facile pour moi de contrôler, ne partez surtout pas. On va avoir juste 5 minutes quand même de respiration pour redescendre de tous les échanges riches et denses de cet après-midi. Et ensuite, nous aurons, parce que nous ne pouvions pas partir sans écouter une autrice, en l'occurrence, lire un livre et avoir une belle lecture à voix haute. Voilà, on prend juste 5 minutes de petite respiration et on enchaîne avec Hélène Kérilis pour la lecture d'un texte court. Merci, à tout de suite.
On va reprendre si vous voulez bien stopper momentanément vos discussions et vous remettre à l'écoute d'un beau texte lu. Chère Hélène, voilà, je vous invite à venir. Je vous laisse présenter vous-même l'œuvre que vous avez choisie, puisqu'on vous a demandé bien sûr de choisir dans votre répertoire l'œuvre que vous souhaitiez nous lire, et nous vous écoutons avec bonheur et attention. Merci beaucoup. Alors, quel livre ? Eh bien, j'ai choisi un des livres publiés par les éditions Attier dans la collection Ma première mythologie, qui a pour titre Enlèvement chez les dieux. Et pourquoi ce livre-là ? Parce que dans la mythologie, il y a énormément de monstres, de choses terribles qu'on essaie de présenter de manière audible ou lisible pour les enfants plus jeunes. Mais j'ai voulu, avec cette belle saison de l'année où nous sommes, faire plus une lecture feel good, si je puis dire, et donc qui nous donne du bonheur à la fin. Voilà. Donc il y a quelques dieux un peu spéciaux, mais il n'y a pas trop de, il n'y a pas de cyclope dans lequel on enfonce un pieu dans l'œil. Hein. Voilà, on va éviter ça. Alors, par contre, je n'avais pas anticipé que je devrais, en même temps que je lis, tenir un micro. Donc, j'aurais peut-être des petits sautes au moment où il faudrait que je tourne la page. Hein, voilà. Donc, Enlèvement chez les dieux. Chapitre 1. Une mystérieuse disparition. La belle Corée se promène avec ses amis dans la campagne. Il fait beau. L'air est doux. C'est le début du monde. Il n'y a qu'une saison, l'été. Toute l'année, les arbres donnent des fruits, le blé mûrit dans les champs. Mais ce jour-là, tout va changer. Corée court d'une fleur à l'autre. Elle choisit les plus belles pour tresser des couronnes. Là-bas, des narcisses. Ils sont à demi cachés derrière la végétation. Corée enjambe de hautes herbes et s'éloigne de ses amis en suivant la piste des fleurs. Comme ça sent bon, dit-elle en se penchant vers les narcisses. La jeune fille ferme les yeux et le parfum emplit ses narines. Soudain, un coup de tonnerre retentit dans le ciel tout bleu. Corée rouvre les yeux, la terre tremble et se fend. Horreur, un gouffre noir s'ouvre maintenant à ses pieds. Des ombres froides comme la mort se jettent sur la jeune fille. Au secours, à l'aide! La pauvre Corée se débat, mais les ombres s'accrochent à sa robe, à ses bras, à ses cheveux. Et brusquement, des chevaux lancés au galop remontent du fond de la terre. Corée résiste de toutes ses forces. « Non, non !» hurle-t-elle. De loin, les amis de Corée entendent ses cris désespérés. Elle se précipite. Un autre coup de tonnerre secoue la terre qui se referme. Quand les jeunes filles arrivent sur les lieux, il est trop tard. Elles ne trouvent que des fleurs piétinées. Corée a disparu. Chapitre 2. L'enquête de Déméter. À l'autre bout de l'univers, la mère de Corée, la déesse Déméter, a entendu les cris. Elle vole au secours de son enfant. Où est-elle ? Que lui est-il arrivé ? Les jeunes filles ne peuvent pas répondre à cause des hautes herbes. Elles n'ont rien vu. Décidément. Déméter. Déméter examine chaque trace au sol. Pas une mèche de cheveux, pas une sandale, rien. Pourtant, la déesse en est sûre.
on a enlevé sa fille adorée. Qui a pu faire ça ? Pourquoi ? Le cœur dévasté, Déméter parcourt la terre pendant 9 jours et 9 nuits, sans boire, sans manger, sans dormir. Personne ne sait rien. Au 10e jour, la déesse rencontre un berger qui a vu la scène. Il y a eu un gros coup de tonnerre et la terre s'est ouverte. J'ai eu une de ces peurs. Et alors ? Un char tiré par 4 chevaux noirs a surgi. Un char ? Qui le conduisait ? Ben, j'étais trop loin pour voir le visage du conducteur. En tout cas, il a emporté sous terre une jeune fille. Déméter frissonne d'horreur. Enfin, cependant, la déesse tient une piste. Maintenant, elle sait quoi faire. Aller interroger Hélios, le dieu du soleil. Toi qui vois tout, dis-moi qui a enlevé ma fille. Il y avait un nuage, je n'ai pas bien vu. C'est faux, le ciel était tout bleu. Hélios, je t'en supplie, parle. Le soleil n'a pas très envie de désigner le coupable. Il a peur de déplaire à un dieu plus puissant que lui. Mais le chagrin de Déméter le touche, alors il murmure. Tu ne diras pas qui te l'a appris. Par pitié, dis-moi la vérité. C'est Hadès qui a enlevé ta fille. Hadès ? Le dieu des enfers ? Tu veux dire le frère de Zeus, roi des dieux ? Déméter est anéanti. Sa fille est sous terre au royaume des morts. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais demander justice à Zeus. Chapitre 3, la vengeance d'une déesse. Déméter s'envole jusque sur l'Olympe où Zeus habite avec les autres dieux. Elle se plante devant lui et lui dit « Hadès a enlevé ma fille, je réclame justice. » Qui te l'a dit ? Peu importe, je veux qu'on me rende Corée. Zeus doit faire respecter la loi, mais il hésite. Il n'a pas envie de s'opposer à son frère, le puissant Hadès. Zeus commande dans le ciel. Hadès règne sous terre. Corée, reine des enfers, maintenant, dit Zeus. C'est pas mal, non ? Déméter entre dans une violente colère. Elle crie, elle supplie, elle menace. Rien à faire. Zeus n'interviendra pas. Corée restera sous terre. Or, Déméter est la déesse qui fait germer les graines, pousser les plantes, mûrir les moissons et les fruits. Elle nourrit le monde. Folle de douleur, elle prend une grande inspiration et déclare « Très bien, puisque c'est comme ça, je quitte l'Olympe pour toujours. Ne comptez plus sur moi. Adieu !» Déméter descend sur terre. Elle se blottit dans un coin désespérée. On lui a pris sa fille. Pour elle, le monde est vide. Elle n'a plus goût à rien. Elle ne fait plus rien. Alors le premier hiver dévaste la terre. Les arbres perdent leurs feuilles. Le sol gèle. Plus une récolte, plus un grain de blé. Les troupeaux meurent. Les êtres humains souffrent du froid et de la faim. Est-ce la fin du monde ? Chapitre 4, deux déesses, 4 saisons. Sur l'Olympe, la situation est grave.
inquiets d'eux se penchent vers la terre. Les humains encore en vie sont si faibles qu'ils ne font même plus de sacrifices aux dieux. Or, Zeus le sait, sans les hommes, les dieux ne sont rien. Le roi des dieux envoie un messager à Déméter. Zeus te supplie de revenir parmi les dieux. Qu'on me rende d'abord ma fille, après on verra. Zeus est bien obligé de céder. La puissance de Déméter dépasse la sienne. Sans elle, le monde est condamné à mourir. Alors, il convoque tout le monde sur l'Olympe, Hadès, Corée, Déméter. Cette fois, la déesse accepte, elle va enfin revoir sa fille et on ne la lui reprendra pas. Quel bonheur de la serrer contre elle! Déméter pleure de joie. Ma petite Corée, mon enfant, tu vas bien, on ne t'a pas fait de mal. Sans pouvoir prononcer un mot, la jeune fille se blottit dans les bras de sa mère. Corée doit choisir, dit Zeus, régner aux enfers ou rester sur terre avec Déméter. Ah, enfin, on se préoccupe de son avis. La jeune fille va répondre quand Hadès prend la parole. Un instant, Corée ne peut pas quitter les enfers. Elle a mangé une grenade que je lui ai offerte et cela la rattache pour toujours au royaume des morts. C'est vrai ? Demande Déméter. Oui, à vous, Corée. Ce fruit gorgé de soleil lui a rappelé l'été perpétuel à la surface de la terre. Elle n'a pas pu résister. Mais je n'ai mangé que 6 grains. 6 grains seulement, ce n'est rien du tout, proteste Déméter. Et la dispute reprend entre Hadès et Déméter. Alors Zeus tranche. Tu as un lien avec le royaume des morts, donc tu y passeras la moitié de l'année. L'autre moitié, tu pourras retourner avec Déméter. Ainsi, pendant le temps où Corée règne aux enfers, l'automne et l'hiver paralysent la terre. Car Déméter ne fait rien. Mais quand la jeune fille retrouve sa mère, le printemps et l'été font chanter le monde. Merci à Thier. Merci à vous surtout. Je pense que tout le monde a apprécié cette lecture. Et ben pour conclure, vous dire merci d'être venu, merci à tous ceux qui nous ont suivis à distance. Donc je rappelle que vous pourrez trouver le lien et le replay sur la chaîne YouTube des éditeurs d'éducation. Donc n'hésitez pas à vous replonger. Je voudrais remercier Camille Gauthier qui a fait un formidable travail que vous n'avez pas vu déjà dans l'organisation de cette journée, mais aussi dans le live tweet. Vous avez en gros une synthèse, une approche très synthétique de ce qui s'est dit aujourd'hui. Vous avez tous les propos qui ont été rapportés. Donc je pense qu'on a fait un bon tour de la question, même si cette question est infinie. On a bien vu que ça ne se résumait pas à la technique de l'apprentissage, que la compréhension aussi, évidemment, était un élément très important de ce travail sur la lecture. Et évidemment, et on l'a bien vu avec vous, Hélène, le plaisir de lire qui dépasse tout et qui entraîne les enfants vers la lecture. Merci encore à nos amis toulousains et éditeurs de nous avoir accueillis si bien. Et puis, peut-être qu'on refera ça, parce que vraiment, c'était très, très, très bien pour nous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Et merci la technique.